Bonjour. Salut. Est-ce que vous m'entendez? On va peut-être couper l'Official Beats. Hein. Salut. Et alors, on est en décalé, oui, et donc Oui, c'est ok. quel est le problème? C'est un léger différé, en effet, nous sommes donc bien sur Twitch. C'est bien la télé. Est-ce que tu nous vois bien, petit cancanou? Et oui, Et la cam aussi, ouais, du coup. nouveau Et challenge. sponsorisé par Quechua. Si vous voulez nous donner des lumières, Quechua. Eh oui, ça y est, les voix sont associées au visage. C'est fou, c'est fou. Et Nibbler n'a pas un troisième œil. Je n'ai pas de troisième œil. Enfin, si, peut-être, J'ai un mais. troisième œil spirituel seulement. Ouh là là, ouh là là. Bon, on va enchaîner tout de suite, hein. Alors, Je baisse le son. donc, eh bien, bienvenue dans le 16e épisode de Chronologie des femmes artistes. Comme d'hab, hein, on fait le petit récap pour pour parler de nos biais, puis représenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, on est sur, comme je disais, le 16e épisode. On fait une chronologie des femmes artistes, ce qui veut dire qu'on part de Wikipédia, qui est notre source principale pour avoir des informations très accessibles, que vous pouvez aussi, vous, de votre côté, retrouver facilement. On part des pages Wikipédia, on découvre des histoires et des œuvres d'artistes femmes, et on ouvre au fur et à mesure les pages d'autres artistes femmes qu'on trouve. Comme ça, on a une sorte d'arborescence de profils qui s'ouvre à nous. Sur les autres biais, on a donc, quand on parle de femmes artistes, on est sur des artistes du domaine du visuel, c'est-à-dire déjà qu'on peut vous montrer des peintures, des sculptures, du dessin, de la gravure, voilà, toutes ces choses-là, photographie bien sûr. Et l'autre biais qu'on a, c'est que comme on a fait des études en France, on a plutôt un biais qui est eurocentré, voilà, on va dire de base, quoi. C'est notre espèce de biais de base que bien sûr on a porté un peu ailleurs depuis les 16 épisodes, mais en tout cas on préfère vous prévenir par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, enfin les fautes qu'on pourrait aussi éventuellement faire au niveau géographique, etc. Historique aussi. Politique. Politique surtout. Non, politique un peu moins, ça va encore. Voilà, ensuite au niveau des périodes qu'on a un petit peu défrichées, on est entre 1740, Oh, mais dis 1760, le max. voilà, C'est écrit, dis le max. Je comprends pas pourquoi tu essaies d'inventer là. milieu du 18e siècle jusqu'au 20e siècle, qui est précisément 1960. Voilà, et la manière dont on place les femmes artistes sur notre frise chronologique, c'est par date de monstration, donc le moment où leur œuvre a pu être accessible à un public large. Voilà, ça comprend les salons, les expositions, dans certains cas des publications aussi, quand on a affaire plutôt à des illustratrices qui n'ont pas eu donc d'exposition à proprement parler. Voilà, par rapport au prisme qu'on a du coup sur les femmes artistes, vous avez compris, on va pas inclure à l'intérieur de cette frise les chanteuses, les autrices, voilà, les sportives, géographes, politologues, enfin, etc. Vous allez dans tous les. Voilà, on fait pas On large. prend du pratique visuel. Lis ce qui est écrit. C'est mieux, c'est plus rapide, non? Et donc, mais parce que je l'ai déjà dit au départ. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu répètes alors? Voilà, donc du coup, Attends. voilà, je fais le tour parce qu'après Wikipédia, c'est notre source principale, ça c'est dit. Pendant le live, notre cher 13 bis met à jour au fur et à mesure sur la chaîne, enfin sur son feed Twitter, donc le Twitter 13 bis 2 pour trouver. Voilà, vous avez le nom des femmes artistes qui apparaît au fur et à mesure du live si vous voulez les retrouver plus tard. On associe toujours le nom et la page Wikipédia sur le Twitter. Voilà
pour le départ. Et donc, on a, au fur et à mesure des semaines, ouvert des onglets, donc, comme je vous ai dit, qu'on a. On en a à peu près 5 d'avance à chaque fois, on en rouvre, etc. Et en fin de live, on se retrouve toujours à peu près avec 5 artistes à faire pour... enfin, à découvrir pour la semaine d'après. Donc, voilà, voilà, pour le petit récap. Et du coup, on va faire un petit regard sur la frise en elle-même, histoire de pouvoir justement checker quelle tête ça a. J'enlève les notes, j'enlève Chrome. Voilà, voilà, donc du coup, ça c'est tous nos manques de ressources qui sont actuelles, celles qui ont en général, comme tu disais, un peu démonstration en moins ou autre. On a fait un petit récap de... justement des artistes qu'on a rencontrés mais qui sont pas forcément en pratique visuelle, voilà voilà, et donc la frise qui commence en 1743, donc tu posais la question. 1743, ouais, milieu du 18e, ça va, j'étais pas trop loin. Oui. Ouais. voilà. Ah oui, la frise par 100 ans, t'as dit. Par siècle, oui, donc oui, c'est des centenaires. C'est des centenaires. Donc voilà, de 1800 à 1900, je vous fais un petit check-up tranquillement. Voilà, 1870, 1884, je regarde du côté du retour, hein. Excusez-moi, je ne regarde pas la caméra, de toute façon c'est trop awkward il paraît, et revenons au début, 1900, il y a beaucoup de gens en 1900, hein. Donc 1900, 1906 apparemment c'était une grosse année. Démonstration. Il y a un petit décalage entre Sunel Delaunay et le reste, j'ai l'impression. Voilà, 1913, 14. Il y a du monde, hein, on a vraiment toutes les années entre 1900. Ouh là là. Sauf 1918. Sauf 1918, peut-être qu'on va l'avoir aujourd'hui. Tac. Tac, 1930, tac, tac, 2000. Et donc du coup, de loin, ça donne cette belle triple frise pour l'instant. Sachant que j'ai trouvé en plus du 5e siècle, enfin bref, ce genre de choses-là, mais on va pas le mettre pour aujourd'hui, je pense. Du 5e siècle. Exactement. Et okay. Voilà. Donc, je pense qu'on peut commencer directement. Je pense que tout est prêt. Ah oui, peut-être petit récap, petite information. Il y a le dernier replay qui est passé, là, le 4, 5. Enfin, le 5. Voilà. Merci, petit Cancanou. Le 5 est sur YouTube. Donc, si vous voulez être intéressé, vous pouvez regarder. Vous prenez le lien, vous l'ouvrez. Vous faites comme moi. Hop, hop. Et on l'ouvre ici pour voir. Excusez-moi, je fais des allers-retours avec tous les écrans. C'est-à-dire deux. Est-ce qu'on peut voir du coup cette belle chaîne qui... Est-ce que c'est sorti? Parce que normalement c'est censé sortir automatiquement parce que j'ai tout prévu quand même. Mais voilà. Wow, avec cette nouvelle miniature que j'ai faite aujourd'hui. Merci Google. Bonjour Google. Voilà, Chronologie des Femmes 5 est sortie. Avec, alors, c'est des belles compositions. Hein. Alors, ouais, les poses sont là, franchement, sont bien tombées. C'est avec celle à gauche qui est plus proche du cadre, ouais, c'est vraiment bien. Et suis fan. Donc, je pense qu'on est parti. Je te laisse ouvrir le début pendant que je prépare le tweet. Ok, alors oui, on commence donc avec Eline Danielson Gambogi, qui est une peintre finlandaise née en 1861. En Finlande et morte en 1919 à Livourne en Italie, enfin Antignano, exactement. Peux-tu me donner accès à la suite de la page? Merci. Donc on a son portrait sur la droite. On l'a pas déjà vu. Non, mais parce qu'en fait... Ah, c'est peut-être une personne qu'on a ouverte. En fait, début. La semaine dernière, on a refait un peu tous les trucs, et on l'a ouvert la semaine dernière, on l'a remis à un autre endroit, enfin, du coup, je pense que c'est pour ça. Donc, notre chère Eline, elle a une certaine... Sa famille a une certaine éducation, la ferme familiale fait faillite, d'accord.
elle va donc, la mère de d'Eileen, s'efforce de payer des études à sa fille avec l'aide de son frère, qui continuera à soutenir financièrement Eileen par la suite. Elle entre à l'école de dessin de l'Académie des Beaux-Arts d'Helsinki à l'âge de 15 ans, et elle va y étudier le dessin, la perspective, la peinture de paysage et la peinture sur porcelaine. Elle va ensuite poursuivre des études à l'école privée Adolf von Becker, où elle va avoir son diplôme d'enseignante en 1880. Et donc elle va avoir sa première exposition la même année, donc en 1880, je me le note dans ma tête, pour, comme je vous disais, la première monstration. Du coup, c'est exactement ce type d'information qu'on cherche, donc les premières expos. Donc, Eileen Danielson va hésiter à se lancer dans une carrière artistique. Elle va se consacrer à l'enseignement. Elle va obtenir une bourse pour se rendre à Paris, où elle va aussi fréquenter donc l'Académie Calarossi. Je vais y arriver. Pas obligé de prononcer tout le temps à l'italienne. Hein. Calarossi. Non, mais je le prononce en français. C'est juste que j'ai du mal à dire Calarossi. Je vais y arriver au bout d'un. Je pense au fur et à mesure des streams, un jour j'arriverai à dire Calarossi de la première fois. Bah mais... là, tu vas mieux dire. Ouais, donc voilà. C'est l'académie qu'on recroise à peu près semaines. Juste pour la blague. Parce qu'en fait, quand tu cliques dessus, c'est Calarossi. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est pas Calarossi, c'est voilà. Calarossi, ouais. Donc, peut-être que tu avais raison à un moment donné. Non, mais bon, alors, du coup. L'Académie Calarossi, qui est une académie d'enseignement d'art qu'on croise énormément dans les biographies des femmes artistes, pour une raison assez simple, c'est qu'à cette époque-là, donc 1880, là on est en 1880, les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire à l'école des beaux-arts, en tout cas en France, et du coup elles allaient dans des académies privées où c'était souvent d'autres artistes femmes qui donnaient des cours, ou enfin en tout cas c'était ouvert aux femmes. Et donc on retrouve certaines écoles de manière très forte dans les biographies. Enfin voilà, il y a beaucoup de femmes qui se sont croisées là-bas. Donc elle va fréquenter aussi d'autres écoles d'art privées. Elle va avoir Auguste Rodin comme professeur. Attention, trigger warning, Auguste Rodin. Est-ce que tu es là? Allô, ici, bonjour. Alerte Rodin. N'oublie pas le trigger warning. Alors, donc du coup, entre autres, hein, elle va apprendre les rudiments de la sculpture. Ensuite, donc son début de carrière, elle va aller en Bretagne l'été pour y peindre des paysages. Et elle va être influencée par des peintres naturalistes comme Jules Bastien Lepage. Et sa palette, va y devenir plus lumineuse. Elle va ensuite retourner en Finlande. On n'est pas sûr si elle vit à Normaku ou à Helsinki, et donc elle va rejoindre un cercle de peintres finlandais et suédois qui se réunit dans l'archipel d'Åland. Voilà, elle va rester en contact avec un des artistes qu'elle a rencontré là-bas jusqu'à sa mort. Elle va ensuite passer les années suivantes entre Paris et la Finlande. À partir de 87, elle participe à plusieurs expositions en Finlande, où elle se fait remarquer pour ses portraits de femmes dans des situations banales, jugées indécents et vulgaires. Oh. Étonnant pour un travail de femme à l'époque qu'on puisse dire que c'était des situations banales, indécentes et vulgaires. Bon. On verra à la fin quand ça... Ça se trouve, c'est vraiment indécent, même Twitch, ça va être interdit. Ah oui, c'est ça. Je pense pas, parce que des situations banales... Sinon, il y aurait écrit qu'elle a fait des portraits de nus, tu vois. Ça aurait été explicité, je pense. Non, parce que dire que tu fais des portraits de nus, tu sais, ça rentre dans une sorte d'académisme, tu vois. Pas quand tu peins des femmes nues. Quand t'es une femme. Ouais, non, oui, c'est la décadence. On a vu la dernière fois que l'autoportrait nu, au niveau indécence, quand t'étais une femme, c'était pas mal, quoi. On était dans le haut panier, quoi. Le haut du panier de la vulgarité. Bref, voilà. Surprenantation abusive, elle dit pour un petit coq à nu. De plus en plus critique vis-à-vis de la situation des femmes dans la société, elle mène une vie anticonformiste et entretient des liaisons avec plusieurs artistes, dont le sculpteur norvégien Gustav Vigeland. Pas bien. Donc en 1895, elle va aller à Florence avec une bourse d'études et elle va y rester 4 mois. Elle va y retourner l'année suivante et après un dernier séjour en Finlande pour y peindre un retable pour l'église de Kimito.
Elle va s'installer définitivement en Italie. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle meurt en Italie, du coup. Elle épouse un Italien. Donc ça va influencer profondément sa peinture. Et elle et son mari vont aussi s'influencer mutuellement. Et ils vont participer ensemble à plusieurs expositions en Italie et en France. Voilà. Et elle va commencer, donc Eline va commencer à connaître le succès. Elle va avoir un prix de la ville de Florence. Et le roi Humbert Ier d'Italie achète une de ses toiles. J'aime bien prendre une voix différente pour dire. Pour dire l'aristocratie, Oui, c'est ce ça. genre-là. Bon, après, il y a, voilà, couple, difficulté d'ordre privé, bon, hein, les tromperies, tout ça. Difficulté aussi financièrement et personnellement, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, hein, donc forcément c'est compliqué pour vendre ses toiles. Et donc notre amie, donc Eline Davidson, va mourir emportée par une pneumonie en 1919 à l'âge de 58 ans. Donc après on a la liste de beaucoup de ses œuvres. C'est la première fois, je crois, qu'on voit des femmes qui font des retables pour des églises. C'était jamais cité. On a vu des femmes sculptrices qui ont fait des devantures, Oui, enfin, c'est vrai que pour avec les l'aide de églises, c'est plus tard. rare. Les retables, bah après, les Mais même à son plus. époque, en fait, c'était déjà rare. Il y a une histoire d'époque aussi pour les retables, hein, je crois. Oui, Non? j'ai l'impression que moi, dans mon esprit, faire un retable, c'était avant. C'était plutôt genre En 17e, 1500? quoi. Non, non, mais genre Bon, comme on 17e. disait, on est nul en histoire, mais bon, on essaie de faire des efforts quand même. Donc du coup, ah, je crois que Petit Cancanou a vu un portrait de nu sur l'herbe, donc Non, je crois que c'est elle imagine, mais je suis Ah. pas sûr. Je sais pas. Ok, Petit ok. Cocanou, dis-nous, est-ce que c'est tu l'as vu et qu'il faut faire attention ou juste tu aimerais bien? Du coup, est-ce qu'on... Oui, on Ah va oui, commencer. t'allais cliquer sur J'allais cliquer sur Wikimedia, du coup. Wikimedia. Oui, j'attendais parce qu'en fait, vu que on a un petit échange. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Indécence, indécence. Ouais, je confirme, la maternité, tout ça, oulala. Indécence. Bah oui, d'accord, donc C'est c'est les femmes des... dehors. Enfin, en fait, c'est le principe des. Tu sais, le truc de. T'es une femme, t'es à l'extérieur, l'indécence comme ça. Non mais voilà, ça, l'indécence, c'est juste peindre des femmes qui font des choses normales, quoi. Alors, normal, oui, du quotidien, comme tu Oui, disais du tout à l'heure, quotidien, ouais. c'est mieux, normal, je sais pas. Après, le truc, c'est que c'est ça, c'est. T'avais une époque où tu pouvais pas. Tu pouvais pas juste. Comment dire? Tu pouvais pas juste laisser les femmes dehors faire de la peinture à l'extérieur, c'était presque déjà mal vu en fait. Bah après, là, on sait pas si elle peignait sur ce L'indécence d'être balai. une femme, exactement. Mais exactement, petit Kanken. Il y a une histoire comme ça. Hein. Ah bah non, une femme qui joue aux cartes, mon Dieu, mon Dieu. Et qui fume en plus. Qui fume un Oh ouinge! non, ça c'est faux. Bah non, mais elle joue aux cartes. Bah C'est oui. quoi alors si c'est pas un ouinge? C'est quoi, c'est tarot? Encore pire. Ouais, forcément sorcière. Bah ouais. Donc ça c'est elle, un autoportrait. En plus, elle a tamisé la lumière. C'est vraiment l'enfer. Autoportrait. C'est pas mal, hein? Il y a une bonne qualité. Hein. Je sais pas si tu veux que j'augmente la luminosité de l'écran. Moi? Moi. Non. Je te propose. Non, non, ça va. Je vois très bien. Oui, d'accord. Oui, bon, ok. Ok. On Oh, met pas scène l'homme en quotidienne. face. On ne voit pas. On voit l'homme de dos L'homme de dos, et la ouais. femme qui le regarde en train de La boire un thé. stache mou de profil. La stache mou de profil. Mais non, il jouait de l'harmonica. Ah! Ça Ça, devait être le retable, c'est ça. clairement l'indécence. Ça, c'est le retable, je pense, parce Voilà, que. Jésus et les enfants. Ça, c'est indécent à notre époque, hein. Ah! Ah, oui, ça, je peux comprendre. Même Ah! Twitch, je pense qu'il c'est pas safe. Hein. C'est pas safe, surtout Instagram déjà. Je pense que Twitch, c'est pas safe. Donc les jeunes filles, je pense. Qui s'ennuie à Avec une fumer. cigarette. Ouais. Café. On n'a Petit pas, café. Petit café italien. Hein. en tout cas dans les choses qu'on a vues sur la peinture, on avait des scènes effectivement de femmes, mais on n'avait pas des femmes représentées dans des moments d'ennui ou de divertissement. Enfin, on avait très peu de, on n'a jamais vu de scènes comme ça pour l'instant. Un homme en draousse. Je te trouve un peu anticlérical, petit cocon.
Non, je t'ai posé une question. Ah non, excuse-moi, je rigolais en... excuse-moi, C'est j'étais... pas grave, tant pis. Mais tu veux pas répéter? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Mais C'était pourquoi? trop long, mon développement. Je réécouterai en replay. Hein. Ça, c'est... Ouais, ok. Ça, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas Mais c'est en vraiment France. la même artiste, là, parce que... Ben, je pense, hein. Ça, Mal et on ne connaît pas tout, en France, mais bien sûr que si, Dinancy. ça existe De dans ça. casser la glace pour pêcher des poissons? Ouais, il y a à certains moments. Bah, il y a la semaine dernière. La semaine dernière. Hein. Dans la Marne. Ah, encore une femme qui allait, mon Dieu. C'est pas possible, toute cette indécence. Mais Non, ça, bon. c'est en fait là où c'est différent, je pense que c'est quand elle était en Italie. Parce qu'ils ont dit que ça avait eu une grosse influence et que ça avait changé sa peinture. Je pense qu'il y a peut-être ça. Il y a une bonne qualité, hein, moi, je crois. Là, c'est presque une photo. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fil à linge. Désolé. Non, mais t'inquiète. Petit cancan. D'ailleurs, petit cancan, petit cancan. On avance, t'inquiète pas. Non, non, je m'inquiète pas, je regarde les patates. Donc ça, c'est elle. Moi, j'aime bien sa frange. C'est très Moi, 2010. je pense Très qu'elle a... 2015. Moi, je dirais même qu'elle l'a coupée toute seule. Hein. Indécence. C'est les franges d'Instagram, là, quand elles font comme ça, et hop, elles coupent. Ouais, mais c'est ça, c'est mais ce que je te dis, c'est dans le sens où c'est très 2016, 2015, tu vois. Bon, là, on revient en boucle, j'ai l'impression. Il y a pas mal de choses. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est l'ité. Ah, excusez-moi, je Ah. suis revenu. Ah, pardon, j'ai tout cassé. Ça, c'est les Ça, j'aime bien les. Antignano. Donc ça, c'est le village où elle s'est installée en Italie. Bon, je vois que là, il n'y a pas trop de décalage, mais c'est un peu plus saturé au niveau de la lumière, hein, je tiens à préciser. Là, on devrait faire, tu vois, par exemple, un étalonnage avec les couleurs. Hein. Ouais, et Bon, là on revient. voilà. D'accord. Il y a des trucs pas mal. Hein. Il y a des Il y a trucs cool. toujours des Moi, j'aime bien personnages en ça, tout cas. celle-ci aussi, elle est cool. Elle est très intime, je trouve. Bah, après, c'est le but, hein, mais... Je Tu sais vois, pas, je la trouve. fille elle a l'air de s'ennuyer un peu quand même. Bon, la date. On avait dit la date. 1880. Voilà, 1880. Hop. Sautons dans... Ah ça, on aime les pages. Les pages où on C'est trouve et clair. la date et beaucoup de tableaux. C'est vraiment bien quand même. Alors je précise, parce que moi je check les replays et tout, en fait on passe énormément de temps sur plein de trucs. Il y a des fois où on reste 45 minutes Moi, à souvent, la on reste. recherche en fait. Oui, après, on se passe aussi plus de temps sur les choses qu'on aime bien. Ça dépend. Ça dépend parce Oui, que même dans le manque de ressources, je t'avoue, c'est vrai que les semaines passées, on a quand même essayé de faire des efforts pour aller à l'encontre des choses qu'on ne trouvait pas et on n'a pas trouvé. On a passé 30 minutes pour en fait J'ai dire, pas, bon, bah, on les met dans les j'ai l'image. ressources manquantes. Hein. J'ai le lien, mais j'ai pas le nom. C'est trop bizarre. Bon, là, hop. Et voilà. 1880, il y a pas mal de gens aussi. Hein. Et ouais, c'est des bonnes Pas mal de personnes. jantes. Bien entourées. Pas mal de jantes. De jantes? On dit jantes, du coup, maintenant? Je sais Ok. pas. J'ai entendu Moi, pas j'aime mal de bien. gens dire les jantes. Mais Mais... jantes, c'est un vieux mot en français. Hein, donc, moi, ça me va. Je suis pour. Ah, il y a Nibbler qui parle. Bonjour, Nibbler. Ah, non, c'était là. Excuse-moi. Non, Rodin, c'est fini, je pense. On peut arrêter. Mais Hein. Rodin va repasser, en fait, entre 1880 et Ouais, je pense 1910, que pendant tout le temps de sa vie, en fait, ça va être compliqué. quand tu es une femme et que tu fais de la sculpture à Paris, tu rencontres Rodin, forcément. Et je pense que là, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. On a croisé toutes les femmes qu'on a mises sur la frise dans ces périodes-là et qui faisaient de la sculpture, et elles sont toutes passées dans l'atelier de Rodin. Enfin, passées par la formation dans l'atelier de Rodin, bien entendu. Hein, Mais bien entendu, nous n'avions pas de Ne me double prenez pas mes sens, paroles. on n'avait pas de double sens, ne t'inquiète pas, Nibbler. On revient directement du coup sur notre chère Aileen Danielson. Alors du coup, je vais l'envoyer sur Twitter pendant que ça se charge. Et voilà, Maria Wilk. Je crois qu'on est un peu dans le nord de l'Europe actuellement. Ah, on est Je pense que Finlande c'est encore. Hein. définitivement le Oui, nord de mais parce que, l'Europe. alors, on l'a pas dit sur aujourd'hui en particulier, mais on le dit souvent. En fait, on arrive à des moments sur plusieurs parcours de femmes artistes qui viennent à peu près du même endroit, puisque Fait par c'est groupe en très fait. logique vu qu'on ouvre des noms d'artistes qu'on trouve sur les pages des artistes. Donc là, par exemple, si on est sur une artiste finlandaise. Souvent, si on parle de la personne qui lui a appris la peinture et qui est une femme, elle est un peu plus vieille qu'elle, mais voilà, on fait des liens comme ça. Donc souvent, là, on est beaucoup entre la Finlande, la Norvège et tout ça, depuis
depuis 2 semaines, je pense. Après avoir passé beaucoup de temps sur la Pologne et l'Ukraine, on n'arrivait plus à sortir, on n'arrivait plus à trouver d'autres artistes qui allaient nous faire visiter d'autres lieux. Donc, voilà, il y a des endroits où on n'est pas du tout allé. Par exemple, on n'est pas du tout allé en Italie. Oui, mais on commence à s'approcher de plus en plus. On y arrive, on y arrive. Nous allons y arriver. On a fait beaucoup d'artistes australiennes aussi, les deux derniers. On a fait les principales, je crois. Mais après, ouais. Du coup, ça va être plus compliqué de trouver, de revenir, d'aller chercher celles qu'on entend moins. Non, moi je suis optimiste, on va trouver. Oui, parce qu'on on a aussi les aborigènes qu'on n'a pas encore fait, les femmes artistes aborigènes qui sont encore en soupape. Donc notre nouvelle artiste, Maria Katarina Vik. Elle est née en 1853 en Finlande et elle est morte en 1928 aussi en Finlande. Et donc c'est une artiste peintre finlandaise. Elle peint des portraits, des natures mortes et des paysages. Elle est la fille d'un architecte. Donc elle va commencer ses études d'art encouragées par sa famille en 1874-1875 à l'école de dessin d'Helsinki et à l'école privée d'Adolf von Becker, donc c'était apparemment aussi un endroit où on allait pour pratiquer l'art. Et elle suit des cours privés avec Séverin Falkman. En 1875, elle poursuit ses études artistiques à Paris, les portes de l'Académie des Beaux-Arts n'étant pas ouvertes aux femmes, dixit moi-même il y a à peu près 15 minutes. Elle suit les cours de Tony Robert Fleury à l'Académie Julian, qui est le deuxième endroit après l'Académie Colarossi, où les femmes peuvent aller. L'Académie Julian et Colarossi à Paris, c'est sur ces années-là, c'est toutes les femmes, toutes les biographies qu'on lit, elles sont toutes passées par là. Ouais. Donc bah là, elle va être... Je pense que c'est clairement le groupe aussi. Oui, elle va être donc à l'Académie Julian entre 1875 et 1876, puis entre 1877 et 1880. En 1880, donc elle va être pendant un an professeure remplaçante à l'école de dessin d'Helsinki. Les premières peintures qu'elle expose au Salon des artistes français à Paris en 1880 sont des portraits, donc aussi 1880 pour elle. Pour la première date d'exposition. J'espère qu'on va pas commencer à... Parce que là, on a eu un problème d'espace sur l'horizon. Là, on va avoir un problème d'espace sur la verticale. Ça va être marrant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? En 1881, elle va peindre une série de petits tableaux dans une atmosphère plus psychologique, avec une technique très précise et détaillée qu'on va découvrir tout à l'heure. Au printemps 1889, elle va repartir à Paris avec son amie Hélène Schwerbrock, la fameuse Hélène Schwerbrock. Ouais, celle qu'on a du mal encore. Ouais. Pour travailler, entre autres, à l'atelier Bouvet, sous la direction de Pierre Puvy de Chavannes. En 1883-1884, elle peigne en Angleterre, puis en 89 à Saint-Yves. C'est quoi Saint-Yves comme endroit? C'est en Angleterre aussi? Cornouailles. C'est plus l'Angleterre maintenant, je pense. Ah, ok. Commune du district de Penwith est située au nord de Pesance, à l'ouest de Camborne. Je sais même pas où sont toutes ces villes. Je ne sais pas. Pardon, je suis désolée, mais. Bah attends, si tu veux qu'on regarde, peut-être qu'on va regarder vite. C'est l'Angleterre, ça, là, ce paysage? Bah, ça peut être l'Angleterre comme la Normandie, comme la Bretagne. Hein. C'est pareil, hein, de toute façon. Ah, voilà, Royaume-Uni. Ça va être en face. Ah. Attendez, on va regarder. On fait un petit peu de géographie, on en profite, hein, parce que... Jersey-Guenouzé. J'avais oublié qu'il y avait ces îles-là en breton. En Bretonie. En Bretonie, c'est pas en Bretonie. Oh là 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 là. Bon, désolé, on est fatigant hein, sur ça, mais bon. On découvre en même temps, nous, on découvre tout dans ce stream. Hein. Alors attends, parce que j'ai regardé vite fait, parce qu'il y a Petit Coq à nous qui nous parle de la ressemblance avec Arthur Weasley. Et du coup, j'ai regardé vite fait Arthur Weasley en me disant... T'abuses de ouf. Aïe, c'est dur. Oh, coup dur. Coup dur pour les Anglais. Hein. Parce que là, c'est vraiment l'Angleterre. Excusez-moi, petit passage pour nous. Coup dur pour les Anglais. Bon, on continue. Hein, donc, oui, parce que là, bon, du coup, j'étais plus bas parce que t'es remonté pour voir la photo, mais. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Excuse-moi, en plus, elle dit si c'est vrai.
Donc, on considère que les meilleures œuvres de Maria Vick sont celles qu'elle a produites à la fin des années 1880. Par exemple, il y a eu Salida el Almundo, et sans aucun doute son chef-d'œuvre qui lui vaudra une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900. Sortir du monde, Salida el Mundo, je crois. D'accord. Je te crois, sur parole. Durant les années 1890, le style de Maria Vick change et les dernières années, une maladie oculaire gênera son activité artistique. La cataracte, j'imagine. Parce qu'une maladie oculaire, c'est surtout la cataracte. Ou un strabisme très très handicapant. Ouais, mais en général, chez les peintres, c'est surtout... non. Peut-être. Je sais pas. Donc elle va passer ses dernières années en Finlande, où elle va peindre jusqu'en 1923, et elle meurt en 28. Donc voilà. Ensuite, donc, on a ses œuvres. Portrait, donc un beau coup. On va cliquer. Ça, c'est elle. Alors ça, c'est... Là, c'est un autoportrait. Là, elle ressemble clairement pas à Ron Weasley, à Weasley, quoi. Disons que... À quoi ? Comment Arthur. Elle a dit ? Arthur, c'est le père, quoi, des ouais. Weasley. Celui qui dit, non, mais t'inquiète, ça va aller. Mais en fait, c'est juste la misère. Il y a tout le monde qui meurt. Son fils, tout le monde, quoi. Ida, ok. D'accord, des personnalités inconnues. Otto Schmann. Léo Mechelin. Mechelin. Zacharia Stoppelius. Bah attends, il y a des gens qui s'appellent Zacharias. Bah ouais, comme Zacharia. Zacharia, c'est un... D'accord. Ah bah voilà, sorti dans le monde. Biblique. Sorti dans le monde, Salida Almundo. Alors, est-ce que du coup, on peut maintenant parler avec Rilwan et dire que je parle russe et non. espagnol Non, je suis désolée, tu as dit sorti du monde. Non, j'ai dit sortir dans le monde. Non. Si, alors, je... Oh. Ok, ok. Bon, on regardera la réplique. La deuxième fois que je regarderai la réplique. Ok, on accepte l'approximation de la traduction, puisque... Ah, c'est une approximation, Le replay parlera, ouais, exactement. Attends, comment ils font c'est quoi, c'est... Nous demandons comment ça s'appelle au foot, quand ils disent, là, le... Il y a un terme, je ne me rappelle plus. Mais je connais la version rugby aussi, mais je sais pas si j'utilise le même terme. Bah, ils disent le replay, je crois. Hein. Non, c'est pas le replay, ils disent pas le replay. Ah ouais non. Un autre auto... Ça, c'est un autoportrait de elle-même. Elle fait très peur. Bah non. C'est là où je commence à comprendre Arthur Weasley. La coupe, là, je commence. Comment ça saisir. Bon, on se moque pas des coupes de cheveux. Hein. C'est toi qui dis ça, alors que tout à l'heure, t'as dit « Ouais, elle a coupé tous ses cheveux toute seule. » Bah, c'est pas une... ça veut rien dire, ça. Peut-être j'aimais bien. Bah, t'as pas dit. Hein. Non, donc ça veut dire que ça veut dire. Hein. Bon, bref. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a des esquisses, il y a des dessins. C'est cool. Study of a Man. On peut zoomer? Je zoome, hein, mais je sais que c'est surtout parce que vous avez un peu plus petit. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Wikimedia, compliqué. Bon, là, c'est pareil, hein, sauf que c'est un peu plus accentué, c'est un peu plus contemporain, hein, comme dessin. Là. C'est quoi, ça? C'est... Alors, je sais pas si vous voyez la petite coupure. Ouais, mais c'est bizarre, on dirait que ça a été scanné, puis refotographié. Ouais, sérigraphié, je sais pas quoi, bizarre. La photo, ouais, bien, c'est là. Peut-être que je travaillerai de ce côté-là. Ok. Ça aussi, c'est plutôt contemporain, 1917 en même temps. Elle est bien, cette photo aussi. La petite coupe, les petites boucles, là. Portrait photographique de Maria Vick. Caritable. Donc ça, c'est son chef-d'œuvre. Plus persis sur cette photo. Waouh. Ça commence à prendre tout l'équipé de Harry Potter. Oui. Compliqué la vie. Bon, bah voilà, donc du coup... Mais alors, je comprends pas, parce qu'ils ont dit qu'elle avait un style lumineux, je sais pas quoi. C'était pas... Ouais, mais tu sais... En plus, on a même pas besoin de bouger, c'est beau. Hein. Désolé, hein, du coup, on bouge pas beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Hein. Bah, on est là pour découvrir des œuvres, après, et des artistes. Ouais, on est pas là pour bouger dans la frise.
Bah, en même temps, c'est bien aussi, on peut voir justement qui on a déjà trouvé pour ceux qui arrivent maintenant, qui regardent le replay pour la première fois et qui tombent sur le 15 au lieu de regarder le 2, par exemple. Maria Wick. Ah, ça refait le Oui, même bon, problème. c'est parce qu'en fait, je DuckDuckGo, hein. Pourquoi? Weasley, Arthur Weasley. Et voilà, Ok, c'est et fini. voilà, la blague est. Ça a été inscrit dans la frise. La blague est adoubée. La blague est totalement adoubée par notre frise, apparemment. Bon, dommage. Sais, t'as que des noms de meufs et t'as Arthur Weasley au Ok. milieu. Et nous, on va regarder, pourquoi il y a Arthur Weasley dans la Non, mais par frise? contre, ça me rassure. C'est qu'on commence à arriver à des prénoms et des noms qui sont plutôt courts parce que quand tu regardes l'enchaînement Oui. qu'il y a dans 1880, c'est compliqué. Oui. Et on a rencontré pire, hein. Certaines années, c'était compliqué. Bon, allez, je remets. On continue, on enchaîne. Là, on a un bon petit rythme, là, je crois. C'est plutôt pas mal. On continue. Alors, ah, une artiste galloise qui est née à Haverfordwest. Royaume-Uni, toujours. Donc, qui s'appelle Gwendolyn Mary Jones. Jaune? John, pardon. John. Pff, là là. Jaune. Jaune. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Mon cerveau, il fait des trucs bizarres des fois, je suis désolée. Donc, dites Gwen John. Voilà, qui est une artiste peintre galloise, donc qui est née en 1877, 76, et qui est morte à Dieppe en 1939. Elle va être active en France de 1904 à 1939. Donc elle va peindre essentiellement des portraits de femmes anonymes, peintes dans des camaïeux de ton sourd. Qu'est-ce que ça veut dire un ton sourd? Eh bien, voilà. Bah, très foncé en fait. Ouais, mais c'est bizarre de mettre un truc auditif sur une couleur, en fait, je trouve. Mais En fait, bon, ça après, dépend. Oui, ça dépend. ça ne parle pas à Non, parce que taper comme un mon. sourd, par exemple, c'est pas parce que t'entends pas le bruit. C'est taper comme en appuyant fort, tu vois. Ah, donc des tons sourds, ce seraient des sons très profonds, comme tu dis, Non, ce très. serait juste. Oui, très, très, très sombre. Comme il y a à côté, quoi. Exactement. C'est pour ça que je t'explique en fait le truc, mais. Oh, attention, Continue, éclipsée continue. de son vivant par la célébrité de son Oh! frère, Non mais le. attendez! Alors attends. Déjà, je viens de voir ça, excusez-moi. Est-ce que tu peux préparer déjà? Tu peux préparer ou pas, s'il te plaît, petit coq à l'eau? J'espère que tu as vu la sélection. Vas-y, donc du coup, tu donnais le. Donc elle a été. Oh non! Il est partout! Donc du coup, donc son frère, qui était aussi peintre, Augustus John, a apparemment éclipsé la célébrité de son vivant, de sa sœur. Et donc son œuvre va être redécouverte à partir des années 1950, ce qui est quand même bien tard. Elle est considérée en Grande-Bretagne comme une des artistes les plus importantes du début du XXe siècle. Sa biographie. Donc, la mère de Gwen, elle est aquarelliste amateur. Et son père est notaire, bon, très bien. Donc, le plus jeune frère de Gwen est aussi peintre. Peux-tu descendre dans la page, s'il Ouais, te excuse-moi, plaît? je prépare les trucs pour notre cher Modo. Alors, elle va étudier à la Slade School of Fine Art de Londres. École novatrice ouverte aux femmes depuis 1871. Donc, ils sont clairement plus en avance qu'en France. Je Prends n'ai pas. ton Oui, souffle. mais je suis là-haut, en fait, encore moins. Excuse-moi, prends ton souffle, je croyais que tu. Non, non. Du coup, je disais donc l'école, donc la Slade School of Fine Art de Londres, qui accueille des femmes depuis 1871. Donc, elle va étudier là-bas de 1895 à 1898. Elle va être encouragée à copier les maîtres anciens. En 1900, elle expose pour la première fois à Londres au New English Art Club. 1900, pile. Attention, avec Rodin. Donc, elle va. Gwen Jones va venir en France en 1904 avec son amie Dorelia McNeil, qui malheureusement n'a pas de Wikipédia, c'est ça, hein? Je vais regarder. Dorelia Bah, McNeil. apparemment, non, quand Après, il y c'est a écrit en anglais anglais. comme Pourquoi il ça, y a écrit anglais ça veut dire entre qu'en toutes anglais les elle y autres? est. Eh ben Donc, voilà. peut-être on va faire de la trad, du coup. Elle va aller en France en 1904 avec son amie Dorelia McNeil pour rejoindre Rome depuis Bordeaux.
ce qui n'est pas spécialement évident, dans une forme de voyage initiatique qui échoue à Toulouse. Ils sont Ok. pas allés très loin. Ils ont fait Bordeaux, Toulouse, et ils sont pas allés du tout jusqu'à Rome. C'est un voyage initiatique, hein, Hein. je te rappelle, hein, Ouais, quand puis même. Toulouse, c'est voilà, c'est quand même intéressant. Bref. Donc à Paris, Gwen Jones s'est introduite dans l'entourage d'Auguste Rodin par Hilda Flaudin, que nous avons côtoyée la dernière fois, je crois qu'on a vu le travail de Hilda Flaudin. Il me semble, on va faire un petit check-up justement, mais il me semble qu'on l'a déjà vu, oui. Pourquoi j'ai Maria Wick dans les doigts de ma souris là? Hop. Il y a petit cocano qui s'emballe sur Hilda Flaudin, donc ouais. Oui, je me souviens de son petit visage là. Son petit visage. Ah oui, c'est notre Ouais, grande bah c'est elle architecturale. qui a. Où là, on a pété un câble la semaine dernière sur Rodin. Mais j'en peux plus. En fait, Mais je vous ai dit, monsieur. mais on le sait, Et je petit sais que nous le organe. savions, que vous le saviez, mais quand même, Donc, faut pas déconner. Le c'est. mec, il a quand même ratisé tout le nord de la France. C'est quand même compliqué. Donc, Hilda Flaudin va lui présenter Auguste Rodin et elle va commencer à poser pour lui. Elle prête ses traits pour la muse Wister nue, bras coupés, projet de monument au peintre Wister et pour une série d'études d'après sa tête. La relation de John avec Hilda Flaudin est décrite comme intense et érotique. Ah bah non, bah voilà, elle était. En fait, elle s'en fichait de Rodin, du coup, elle couchait avec. Elle couchait avec Hilda, donc en fait, il n'y a pas de soussaille. Ah, pardon, prise d'un amour sans mesure pour Rodin, il y a écrit, dont elle devient la maîtresse, excusez-moi. Hein, donc elle ne. Non, il y avait aussi Rodin. Elle lui écrit près de 1000 lettres. Quel tombeur. Rodin finira par installer Enfin. un barrage de secrétaires et de concierges menés par la duchesse de Choiseul, la nouvelle maîtresse de Rodin. Pour l'empêcher d'approcher le sculpteur. Ah ouais, d'accord. Ah, elle était vraiment passionnate, quoi. Cependant, Rodin lui reviendra toujours en aide jusqu'en 1914 et il l'encourage à travailler. En 1995, une exposition était consacrée à Rodin, Wister et la muse à Paris, au Grand Palais. Oui, d'accord. Alors, sans Rodin, ça donne quoi? Parce que je crois qu'il y a sans Rodin après, dans la suite de la biographie. Tu sais, c'est une carte Pokémon, le mec. Voilà. C'est Après. un truc de ouf. Tu sais, c'est. La carte Pokémon. Ouais, c'est ça, c'est une carte Pokémon. Tu sais, tu joues avec et après tu joues sans. Alors, Une carte Magic Plus. le barrage Petit Cancanou, je pense que c'était vraiment genre, il y avait des gens qui se mettaient entre Gwen Jones et Rodin pour pas qu'elle l'approche. Parce qu'elle était apparemment folle amoureuse de lui. Elle lui a écrit 1000 lettres, c'est quand même beaucoup. Hein. En 1911, elle participe à l'exposition de l'Armory Show à New York, où elle a été sélectionnée par John Quinn, un important collectionneur américain. En 1910, elle s'installe à Meudon, non loin de la Villa des Brillants, tout en gardant comme atelier son logement parisien. Elle continue à exposer régulièrement ses portraits peints, elle vit presque recluse et solitaire avec ses chats dans le souvenir de Rodin. Oh mon Dieu, cette phrase! Oh! Une Enfer. femme à chat qui pense à son amour interrompu. Quelle horreur! Elle se convertit. Ah, attendez, c'est pas fini, hein, là, le film n'est pas fini. Elle se convertit au catholicisme en 1913. On repère. Et elle expose régulièrement au Salon d'automne et à de nombreux autres salons jusqu'en 1925. Elle s'isole dans une forme de mysticisme accompagnée par les sœurs dominicaines de la Charité de Meudon. Bah, En c'est quoi? 1900... C'est le mysticisme, c'est la religion. Oui. En 1926, elle expose à Londres, à la New Chenille Gallery. Profondément marquée par la mort de son ami, le poète Rainer Maria Rilke, Mais attends, mais lui aussi? ouais, elle rencontre le philosophe Jacques Maritain. Et se lie à la belle-sœur de ce dernier, Vera Oumantsov, dont elle devient l'amante. Propriétaire d'un terrain acquis machin à Meudon, elle n'emménagera cette adresse qu'en 1939. À partir de 1933, a priori, elle a arrêté de peindre, sans doute pour des raisons de santé. Et donc, en septembre 1939, elle tente de rejoindre l'Angleterre. Elle est hospitalisée à Dieppe, où elle meurt de faim. Très intéressant. Comment on meurt de faim à l'hôpital? Elle s'est laissée mourir? Ouais, c'est laissez-moi. En soi, ça dépend de l'époque. Parce qu'en 1939, tu peux aussi potentiellement te laisser mourir parce que on t'a laissé, quoi. Ouais.
Et donc, elle va être enterrée dans la fosse commune du cimetière de Jeanval. Voilà. Et en 2015, la ville de Dieppe inaugure une plaque commémorative en présence de ses nièces. Ouais, c'est assez horrible, sa vie, hein, la pauvre. Ouais, compliqué, hein. En fait, en gros, mais après, je trouve que c'est quand même clairement ce type de portrait-là de la fille amoureuse transie de son maître, qui lui a appris la peinture, qui a posé pour lui, qui ensuite se met dans la religion pour oublier dans son souvenir. Enfin, je sais pas, hein, ça peut être une réalité, mais pour moi, il y a un truc genre hyper... genre romancé, enfin, c'est mourir d'amour, là, comme ça, c'est vraiment un truc, je sais pas, hein, peut-être c'est moi qui sous-estime le pouvoir de mourir d'amour, mais... Bon, dites bonjour au chat, hein, apparemment. Oui, Rilke est partout aussi. Hein, ouais, bah alors du coup, je sais pas, hein, est-ce qu'on laisse notre commande Rodin ou on met toxicité, parce que... Non, laissons la commande Rodin. Tu as mis un truc, si on met point d'exclamation Rodin, ça met un trigger warning Rodin. Non, c'est Rodin. Pas Rodin, c'est point d'exclamation Dame. Ah, trop bien. Dame 2. Dame. Dame. Ok. Alors, Gwen Jones. Faut qu'on regarde son travail aussi, on n'oublie pas. Mais si tu veux mettre d'abord sur la frise, c'est 1900. Ouais, non, mais on va regarder son travail d'abord. On avait un bon rythme là, je trouve que c'est bon. Oui, on est d'accord, c'est romancé. Enfin, il y a un moment, il y a jamais des hommes qui meurent d'amour pour des femmes et qui deviennent prêtres dans les histoires. Copiste. Non mais je suis désolée. Enfin. Comme dans le Nom de la Rose. Un manipulateur émotionnel. Aïe aïe aïe. Tu aïe, veux dire aïe. Comment ça s'appelle le terme? Uno pervert narcissique. Tu veux dire un homme toxique? Tu veux dire. Oh mon Dieu. Non mais. Bonjour. Non, mais, beaucoup de noms, hein. Non, pas tu du tout. Tu veux dire mon roi? Tu veux dire... Oh là là. Tu veux dire tu es tellement belle que je te fais poser pour moi, mais tu ne m'auras jamais. Bisous. Bisous, au revoir. Comme ça, rappelle-toi, dans 20 ans, dans 40 ans, sur ta fiche Wikipédia, t'auras un avant et après moi. Non, franchement, c'est abusé, hein. Franchement, c'est abusé. Mon Dieu. Bon, regardons son travail, là. Oh là là. Mais tu vas te calmer, le chat. Hein. Je regardais en même temps, mais donc on parlait de d'ocre et de rouge sourd. Voilà, c'est d'accord. Clairement ça. Mais alors, du coup, parce qu'il y a écrit au début qu'elle est quand même reconnue comme une des plus grandes artistes du début du XXe siècle. Hein. Ah bah, ouais. En Angleterre. Ouais, bah ouais, mais c'est vachement triste hein, comment c'est écrit la page Wikipédia. Peut-être qu'il faudrait... En fait, la meuf... La version française est hardcore, je pense. Désolée, il fallait pas venir en France, hein. Enfin, là, ta vie, elle était bien sans lui. Hein. C'est triste, c'est de ouf, hein. Ah, Chloé Bouton Leif. Leif, d'ailleurs, je crois. Parce qu'on dit Ifleger. The artist in her room. Ok. Donc là, ça doit être son meilleur chat. Son meilleur chat. Non, c'était même pas elle en plus. Donc je suppose que c'est Rodine. Rodin au marin. Et ça, c'est la plaque. C'est la plaque coup, à Dieppe. Qui a... à Dieppe. Donc ce qui est. Ouais, clairement. Bah oui, son. On peut dire ça. Girl with bare shoulders. Alors, elle a pas que des bare shoulders, hein, pour à mon sens, mais très bien. Ça, c'est un peu. J'aime bien les petits dessins, c'est là. C'est Général de Gaulle, non? Mais non, mais non. Oh là là, ça va. En plus, un maréchal, il a... Mais non, a... c'est pas le mec... Attends, c'est pas le mec de Obradine. Du coup... Mais oui, c'est Maba. Mais non, c'est le mec avec son chapeau. Mais oui, le chapeau. Petit cocadou, c'est qui, c'est déjà? C'est le commissaire. Le bossman. Le bossman en second. Ah là là. Ah, monsieur, vous avez un problème de cou, je crois. Il manque un bout de cou, je crois. Je crois connaître. Est-ce que c'est un maréchal dont son règne s'est fini en péténisme? En tout cas, je crois qu'il y a des petits poils lui derrière.
mais je suis pas sûr. Quand même, ça ressemble oui, un peu à des gens de la Première Guerre mondiale. C'est ça. Bon, voilà, on a eu des chats. Oh, il y a des beaux chats. Petit chat. Oh, il y a des beaux chats. Un autre chat. Non, celui-là, il est bien. Cat cleaning itself. Oh. Oh, regarde, regarde. Regarde. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle s'en fiche. L'histoire des chats, on le fera plus tard. Et on voit pas, là, Cam. Faut que tu montes à ta tête. Ouais, bon. Bah, c'est pas mal. Y a des trucs bien, hein. Ces portraits sont assez bien, ouais. Malgré... C'est marrant parce qu'on voit beaucoup de portraits du côté de ce côté-là. 4 cam. Bah ouais, faut acheter une deuxième cam. Faut acheter une caméra pour la suivre. Je suis pas sûr que vous avez envie de savoir. Avec une lumière spéciale selfie. T'appuies sur un bouton. Les lumières rondes. Ah là là. Bon. Ça, c'est pas mal aussi. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un village. C'est un village. C'est un petit début. J'aime bien les petits débuts comme ça, je trouve ça cool. On dirait les peintures au numéro que j'ai jamais terminées. Oula! Vite! Passons. Voilà, là c'est plus... Regardez Twitch, on regarde des nonnes, nous. Bon, après, apparemment, c'est pas des nonnes catholiques. Mais il y a beaucoup de portraits, hein. Bah, elle faisait que des portraits, hein, d'ailleurs. On a fait le tour. Allez, hop, c'est parti. Au revoir, le chat. Nous étions en 1900. 1900 pile. Ah oui, c'est vrai, c'est le double 1900. Ah oui, c'est bah oui. Le double. Le double, double. Double trouble, comme on dit. Oui, je connais mes refs. Pourquoi tu me regardes en me jugeant comme ça? C'était pas du tout un regard de jugement. Ah ouais, c'était quoi ça? C'était quoi, hein? C'était quoi, hein? Hop, hop, hop. Gwen June. Elle aussi, elle a un nom court, ouais, ça va te faire cool, plaisir. Ouais, ça c'est cool, mais c'est cool, c'est très très après, cool. Après, Anna Ustrumava. Pourquoi il y a de l'espace, là? Pourquoi il y a une deuxième ligne? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça y est, c'est le bug de la frise. Bon. Ah, c'est bon, je l'ai réglé. Ok. Gwen, John. Alors peut-être qu'on va faire un truc avec ce 1900 là, parce que au bout d'un moment, on va peut-être transformer celui-ci en rouge et puis voilà. Ouais. Et est-ce que tu vas mettre le petit truc en barre rouge aussi. Ah, oui. Bah oui. Faut être jusqu'au boutiste. Soyons jusqu'au boutiste, on est là pour ça. Waouh, c'est magnifique. Hop, hop, petite correction, magnifique. Je pense que c'est le moment de re-switcher sur Chrome. On garde notre tempo. Oh là, plus tard, hein, d'Aurélia. Ah oui, mais plus, ça, on vient d'ouvrir, anglaise. Oui, c'est la version anglaise qui n'est rien, pas fait. Visible. Très bien. Ah, petite pause charmante. Bertha Wegman, ah oui. Nouveau, vous avez un nouveau message. Quoi? De quoi? Bah, je me suis pas connecté, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, vérifiez dans l'historique de votre page de discussion si d'autres messages... Bah attends, je vais regarder. Est-ce que je suis connecté sur Wiki? Bah non. Bah... T'as modifié un truc sur Lucas Paqueta? Mais c'est pas moi. C'est pas moi, je suis pas connecté. Bah, elle est trop bizarre. Ok, bon. Et en plus, tout mon Wikipédia, il est en sombre. Alors par contre, c'est une ébauche concernant une peintre danoise, mais du coup, on n'aura pas beaucoup d'infos, je pense. Hein. C'est sans doute pour ça qu'il y a un message, d'ailleurs. Parce qu'apparemment... Donc on sait juste que... Elle est née en Suisse et qu'elle est morte, donc elle est née en 1800. Juste, je vérifie que j'ai bien mis 3 minutes. Gwen John. Sur Twitter. Sur Twitter. Petite pause 3 secondes, hein. Je fais un check-up. Il faut des petites pauses comme ça, pour éviter de se perdre.
Oui, bah j'avais bien fait. Alors, si tu peux commencer comme ça, je mets à jour. Bah écoute, j'ai pas grand-chose à commencer, hein. Elle est née en 1846 à Soglio en Suisse et elle est morte en 1926 à on ne sait pas, à 79 ans, mais on ne sait pas où. Et elle est portraitiste danoise. Et voilà. Eh bien, c'est bien. Ensuite, on a des photos d'elle et on a une photo d'elle jeune et une photo d'elle à la fin de sa vie et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a. Mais moi aussi, je veux un portrait comme ça. À côté de ta plante? Ouais. Et Et à bien côté comme ça. d'une... à Et à côté... côté d'une... Ah, on dirait qu'elle est photoshopée sur le truc. Non, non, en fait, c'est une technique de correction d'image quand t'as imprimé. Parce que là, en fait, en plus, ça doit être pas du... Tu sais, c'est une sorte de plaque de cuivre. Mmh, d'accord. Je pense que Ah c'est oui. soit une plaque de cuivre, soit c'est imprimé. En 1833, c'est peut-être un peu les deux. Et en fait, tu t'insoles en majorité à 90, on va dire à 80% l'entièreté de ta feuille. Ouais. Et après, tu fais un petit découpage autour de la personne, par exemple, pour que ce soit sous-exposé et tu refais les 20% pour le reste. Donc ça fait plus sombre l'arrière, moins sombre la Bah personne. écoute, merci beaucoup pour ce point C'est une technique. technique, photographique. Du coup, bah écoute. Quand C'est tu un peu auras fait dommage, sur ouais. Twitter, moi je pense qu'on peut regarder, on n'est Je vais pas regarder, encore allé sur on Aware. va chercher Aware. Nous allons regarder, mais en général, quand il n'y a pas du tout de page Wikipédia, Alors, Aware nous aide pas beaucoup, hein. je vais criser aussi, petite crise envers YouTube. YouTube ne permet pas de mettre des fiches si on n'est pas partenaire. Donc c'est comme un peu le time code. On ne peut pas séparer d'après ce que j'ai compris. Alors pour l'instant en tout cas j'y arrive pas. Hein, donc on verra peut-être avec le dernier. Hein, mais on ne peut pas séparer par chapitre les vidéos tant que ce n'est pas on n'est pas partenaire. Donc on n'a pas un nombre de abonnés. Et du coup, Aware par exemple, on en parle souvent. On le met dans le chat en général. Majorité même, tout le temps. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'aimerais bien le faire partager aussi par YouTube. Sauf que le problème, c'est que les fiches, tu sais, les petites Oui. sources que tu peux mettre en haut, eh ben, il faut Tu être peux pas. partenaire. D'accord. Donc pas de. En fait, pas d'accès aux sources tant que En t'es pas fait, les sources partenaire. sont en description. C'est le problème. Pour moi, c'est un problème parce que les gens ne vont pas en description. Après, je sais qu'il y en a certains qui y vont, certaines qui y vont. C'est celles qui sont intéressées. Déjà, pour avoir regardé 3 heures de nous qui discutons sur nos frises. Mais le problème, c'est que derrière, si on a besoin d'avoir des séparations, de chercher une artiste spécifiquement, et qu'en plus la source est Aware, par exemple, on aimerait bien vous distribuer directement l'information, parce que c'est un peu dommage. Donc Aware, qu'est-ce que c'est? Juste, moi j'avais une question. Quand il y a écrit c'est une ébauche d'une machin machin, ça veut pas dire forcément qu'il y a une page en danois. Si c'est possible, je vais regarder. Bah après, peut-être en anglais, on peut juste regarder. Hein. Ah. Ouais, en anglais il y a. Un peu plus de trucs, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Ok. Donc, Aware, qu'est-ce que c'est? Aware, c'est. L'association des archives des femmes artistes. Qui fait de la recherche et qui valorise de la recherche et les expositions autour des femmes artistes, plutôt orientées 19e, 20e siècle, voilà, qui ont des grosses actions donc, de sensibilisation et comment dire, notamment mettre à jour toutes les ressources, faire des notices bibliographiques et biographiques sur les artistes, voilà, donc leur donner un peu plus de visibilité. Et elles soutiennent aussi les artistes plus jeunes par le prix Aware, là qu'on voit sur la devanture, le prix Aware pour les femmes artistes qui récompense une jeune artiste chaque année. Voilà. Du coup, on voulait regarder. Bah, notre chère Ouais. Bertha. Non, c'était ça? Bertha? Et on Ber pourrait regarder Be Dorelia aussi. C'est Hein. Bertha Wegman. On pourrait regarder aussi Dorelia.
qu'on n'a pas trouvé tout à l'heure. Oui. Alors, par contre, c'est Bertha. J'ai mis un N. T'as mis Nerta. Ok. Autant pour moi. Ah. 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 Petit ramage de connexion. Nothing happened. Nothing happened. Et pourtant, on est là. Hein. Petite vérification de la connexion. Bon, du coup, Bertha avec Eggman, ça marche pour. On va essayer de rien. Bah, donc, du coup, ouais. Donc là, ça veut dire qu'on a deux manques de ressources, hein, potentiellement. Bah non, Bertha Wegman, on n'a pas regardé la page en anglais ou quoi. C'est vrai. Et du coup, en anglais ou on continue vers les françaises? Bah, si t'as d'autres pages en français, on commence par les françaises, je préfère autant, mais... Oui, alors, faisons une petite pause sur les pages en anglais, hein, si ça vous dérange pas. On va regarder. Oh, une autre page en anglais. Ok, et la troisième, et après, il n'y a plus. Il n'y a que de l'anglais, je crois. Ah, Agnès Bulf. Ah, qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois, j'ai l'impression. Et ça a l'air d'être aussi quelqu'un que nous n'avons pas trouvé. Ah, très intéressant. Eh ben écoute, je me lance, allez. Soyons fous, je me lance. Bertha, du coup. Bertha. Alors, Bertha, Bertha Wegman, née en 1847 et morte en 1926. C'est une peintre portraitiste danoise qui a des ancêtres allemands. Danish ? Oui. Mm. Elle est donc la première femme à tenir c'est quoi déjà un chair? C'est une position. Ouais. Une position de soit à l'université, soit officier. Bon, c'est la première à être chair, avoir un chair à la Royal Danish Academy of Fine Arts. Donc c'est de même. C'est une position. Donc à l'âge de 5 ans, sa famille emménage à Copenhague avec son père. Elle va devenir son père va devenir marchand. C'était un amoureux de l'art. Il passait beaucoup de temps. Il passait beaucoup de son temps à peindre. Donc elle va montrer un intérêt pour la peinture dès son plus jeune âge, mais elle va pas recevoir d'éducation vraiment stricte d'art, en tout cas pas avant ses 19 ans, où elle a commencé à prendre des leçons auprès de Frédéric Ferdinand Eslod, Heinrich Bunsen et Frédéric Christian Lund. 2 ans après, donc avec le soutien de ses parents, elle va emménager à Munich, où elle va y vivre jusqu'en 1881. Donc au début, elle étudie avec un peintre d'histoire, enfin de peinture historique, qui s'appelle Wilhelm von Lindenfisch the Younger. Waouh, il y a encore des mecs qui s'appellent the Younger, quoi. Tu l'as géré. Le jeune, quoi. Voilà, et donc elle va étudier ensuite la peinture de genre avec Edward Kurzbauer, mais elle a jamais été vraiment satisfaite de cet apprentissage dans l'atmosphère, enfin dans le studio quoi, à l'intérieur, et elle va décider d'apprendre à peindre directement d'après nature, d'après la nature. Ouais. Okay. Elle va devenir amie avec la peintre suédoise Jenna Bok, qu'on a déjà vu, je crois. Connaît. Oui, exactement. Et elle va faire plusieurs voyages d'études en Italie avec Jenna Bok. En 1881, elles emménagent toutes les deux à Paris, où Wegman va exposer à plusieurs salons et recevoir une mention d'honneur. L'année d'après, donc on est en 1882, elle retourne à Copenhague, où elle était déjà connue pour son travail, et où elle avait été exposée en 1873 à la Charlottenburg Palace, au Charlottenburg Palace, donc 1873 pour la première date de monstration. Et donc le portrait de sa sœur a gagné le Thorvaldsens Medal en 1883. 4 ans après, elle va devenir la première femme à avoir un poste à la Royal Danish Academy. Et donc après, à partir de l'année 1907, elle devient membre du board de la Techneo Kunstindus Tricolon for Kinsver, ouais, Drawing and Art Industrial School for Women, que j'avais tout à fait compris et que j'ai ouvert parce qu'on va s'en faire. Donc Kinder, ça veut dire femme a priori en
Parce que Kunstlin Industrie, c'est l'industrie artistique, enfin l'art industriel, ça va. C'est proche de l'allemand, mais. Donc Tegne Og, c'est Tegne, ça doit être dessin. Ouais. Og, ça doit être et. Et ouais. Mais okay. C'est un peu compréhensible quand même, néerlandais. Oui, oui, mais en fait, quand t'as des bases de langue genre germanique, un peu, ça va. Mais... donc elle va continuer à exposer largement, enfin de manière assez large, et être représentée au Danemark à travers plusieurs... ah, j'ai plus faire, art faire, les salons, salons internationaux. Festival aussi, ça marche. Ouais. Dont par exemple le World Columbian Exhibition à Chicago. En 1892, elle devient une des premières femmes à recevoir le Royal Indigo of Indigo et Arti médaille. Medal. Et elle va mourir soudainement pendant qu'elle travaille dans son studio. Ok, c'est bizarre comme fin, mais. Grande actrice. Hein. Très bien, oui, bah, je sais. Hein, je... Ah, donc c'est elle qui a fait le portrait de Jenna Bock. Ouais. Okay. Qu'on a vu beaucoup de fois, en fait. Oui, parce que ouais. Mm. Oui, parce que oui. Et bien, c'est là qu'on a trouvé Bertha Wehrmann, en fait. C'est quand on a vu ce portrait, je crois. Waouh. Une femme cousant. 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 Une femme qui cou. Ok. Olkenhaus. Est-ce que, petit cancanou, tu trouves que j'ai un peu improve ma traduction en live d'anglais? Parce que ouais. Je trouve que là, j'étais pas mal lancée, là. Je pense que c'est parce que c'était la seule page. Parce qu'au bout de trois, en général, je n'arrive plus, mais... Ouais, parce que moi, je peux pas level up mon matrad, hein, j'avoue. Hein, c'est compliqué. Hein. Ouais, je te laisse pas faire. Non. deux femmes buvant le thé dans leur studio. Eh ben, dis donc, leur studio, c'était pas les studios d'aujourd'hui, hein. Petite tasse de thé en porcelaine, tout ça, belle robe, petit chapeau. Bah, c'est un peu toujours le cas, hein. C'est bien. C'est alors, je ne suis pas finlandaise, non, pas trop. Hein. Okay. C'est juste que Kunst, je sais qu'en en allemand ça veut dire art, donc ça va, mais c'est tout. Hein. Je pense que c'est une ref, un abonné. Mais ça, c'est ouf, celle-là, elle est ouf, ouais. Comme peinture. Ça, c'est, ça fait énormément, bah, du coup, tu sais, portrait de quelqu'un qui est à une haute place, en fait, dans une académie, quoi. Mais ça, je pense que c'est clairement le type de tableau qu'il faudrait voir en vrai. Mais après, c'est toujours pareil, on ne sait pas du tout la taille qu'il a. Parce que s'il est grand, par exemple, ça doit être ouf, quoi. Bah, après, ouais, c'est ça, le truc, bon, on peut regarder vite fait, hein, mais en plus, les scripts de la religion, pondering the scriptures. Les écrits religieux. Mais ouais, donc du coup, je disais que ça dépend énormément parce que tu sais que l'école néerlandaise, c'est énormément de l'aplat. C'est pas, il n'y a pas de. Oui. Il ne me souviens plus de la date. 1873, on a dit. On va regarder. Attends, on regarde la taille, vite fait. J'ai découvert aussi qu'il fallait beaucoup que j'articule parce que. J'ai commencé à travailler sur la retranscription des sous-titres pour nos premiers épisodes et clairement, il faut arrêter, quoi. Alors, attends, parce qu'il y a un truc aussi à faire, c'est qu'il faudrait qu'on remette en place le stream closed captioner parce que j'oublie à chaque fois en ce moment. Ah ! Donc du coup, on n'a pas l'accessibilité, là. Et ça, c'est un peu dommage, donc je corrigerai. D'accord, mais du coup, on n'a pas vu la taille du tableau. Non, parce qu'en fait, quand je tape size, il n'y a que les pixels. D'accord, bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça. On cherchera. Mais du coup, comme je te disais, le problème de l'école néerlandaise, c'est que c'est énormément à plat, quoi. Et en fait, le truc, c'est un peu dommage de voir aussi des tableaux très à plat, parce que c'est très caché, en fait, au final, la manière de faire. Moi, j'aime bien regarder ça. De toute façon, c'est pas demain la veille qu'on pourra aller à Copenhague dans un musée voir une peinture de Bertha Wehrmann. Hein. Enfin, 1880, c'est pas tout de suite, quoi. Non. Bah, elle a eu plusieurs salons et non, reçu mais, une mention d'honneur. C'est écrit qu'elle a eu sa première exposition à la Charlottenburg Palace depuis 1873. Ok. On a vu des beaux tableaux aujourd'hui, en vrai, exactement. Petit cancanou.
1873. Bon, on se balade pas beaucoup sur la frise aujourd'hui, hein, je trouve. Hein. On est ouais, on est dans soft, des périodes hein. Très proches. Il n'y a pas 1873. Et voilà. Alors, du coup, on va prendre un peu de place. Baladons-nous. Alors, la dernière fois, on a eu des problèmes de sélection. C'était très rigolo. Tout le monde a bougé en même temps. Oui, c'est bien. Ok. J'espère que ça t'embête pas trop, petit cancanou, la Zikmu. Parce que j'avoue que moi, ça me tape un peu sur le système d'avoir toujours le chill beats là. Mais je testerai du coup en shift stream des sons qui pourraient passer. Parce que ça me fatigue. Du coup, c'était Bertha. Wigman. Oulala. Oulala, il y a Edith qui s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. Wigman. Oh, il y a des N, non? Oui. Oui. Beaucoup de choses ouvertes là. Hein. Hop, hop. Petit déplacement sur le côté. Un petit peu à gauche. Voilà. C'était à droite. Voilà, alors ça se voit que j'ai pas le permis. Hop. Pareil, hein, faudrait qu'on fasse un petit topo Jingle Palette hein, pour pouvoir. Ah, il y a 1880 qui s'est barré tout seul. Dane. Il était trop. Il était trop. Et, il commence à toucher 1700, hein, donc faut pas déconner non plus à 1800. Après, en hauteur, en vrai, on a de la marge. Hein. On a encore de la marge. Donc là, il y a toujours le petit décalage de ces morts hein, qui m'embête. Comme vous pouvez voir. Ce petit décalage, l'enfer. Hein. Bah, c'est juste 1877 qui est trop. C'est tout. Soit il y a. Tu vois, genre Mari Cassa, Amélie Valentino et Bertha Wergman, elles sont plus basses. Ah, d'accord. Et je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est une histoire de nom plus que de placement. Alors, je vais essayer de placer, voilà, comme ça. Et on repart sur notre... Est-ce que tu as mis sur Twitter? Je vais faire ça tout de suite, ma chère. Hop. Et du coup, on a regardé déjà les œuvres de Bertha Wergman. Donc ça, c'est la Tegne Og Knstns. Ouais, vous avez compris. Et du coup, on continue en anglais ou pas? Oui, bah de toute façon, c'est la dernière page ouverte avec des choses. Hein, donc en vrai, allons-y. Je crois que là, on remonte un peu plus loin dans le temps. Donc Mathilda Wilhelmina Rothkrieg. Rothkirch. Donc elle est née en 1813 et elle est morte en 1842. Donc elle n'avait que 28 ans. C'est une peintre finlandaise. Donc elle a été souvent... Ah oui, on fait souvent référence à elle comme la première artiste femme en Finlande, carrément. Et elle a fait donc principalement des portraits, des peintures de portraits. Donc Rothkirch, elle est née donc en Finlande à Borga, ça on s'en fiche. À l'été, au printemps 1833, elle a fait son premier voyage d'études à Stockholm, où elle a étudié avec Johan Gustav Stenberg et Robert Wilhelm Ekman. Elle a été étudiante à la Royal Swedish Academy of Art entre 1833 et 1838. Elle va faire un voyage d'études de 1840 et 1841 avec l'artiste Sophie Aminov, qui n'est pas du tout sur Wikipédia, qu'on va galérer encore comme les autres, je pense. Voilà, et donc aussi avec son mari qui s'appelle Karl Rotterskjöld. Et donc, elle va en faire un voyage à travers l'Europe. Elle va visiter Lübeck, Hambourg, Cassel, Strasbourg, Berne, Genève, Milan et Paris.
Et elle va étudier avec le peintre suédois et designer Per Wickenberg. Oui, c'est un garçon Per. Quelle dégaine. Elle va mourir off. Lung, c'est poumon. Et ailment. Ailment, ça doit être. Une douleur du poumon. Non, ça doit être une sorte de. Empoisonnement ou quelque chose comme ça. Maladie du coup. Maladie, ailment. Ouah, c'est un vieux mot, hein, je crois. Ok, donc elle est morte d'une maladie des poumons à Turku durant l'année 1842. Donc elle avait que 28 ans. Et elle va être enterrée, inhumée, enterrée dans la tombe familiale à Nasenbacken. Next, tout pour vous. Voilà, et elle a été représentée dans une exposition en Finlande en 1847. Et elle est représentée à la galerie Athénum et Signaus Gallery. Alors ils disent que c'est une des plus connues ou c'est la première, mais il n'y a pas de date de monstration. Bah non, parce qu'ils disent qu'elle a été. Il y a eu une exposition en 1847, mais elle était déjà morte, donc clairement. Après, c'est possible qu'elle ait juste peint des tableaux quand elle était en voyage, et comme elle est quand même morte à 28 ans. Ouais, c'est court. Ouais. Du coup, ces tableaux, ils ont juste été exposés après, parce que si elle a eu une expo en 1847, c'est pas très longtemps après qu'elle soit morte. Hein. C'est que 5 ans après. Mais du coup, c'est une question qu'on s'est pas posée, mais du coup, est-ce qu'on fait du post-mortem, du coup, en monstration? Ah bah non, alors là, on va pas en plus lui mais du coup, on la met pas, hein. Alors que c'est quand même la première. Bah, peut-être cherche, on vérifie sur Aware si elle existe. Bah, c'est vrai que c'est bizarre. Pense que, je pense que oui, mais... Aware. Après, peut-être on regarde quand même, si on trouve rien, on peut regarder sur Internet de manière plus générale, parce qu'elle oui, doit être... Si elle est surconnue. Bien sûr, t'inquiète pas. Ok. Et bien sûr. On a beaucoup de ces tableaux en tout cas. Wikidata, ça peut aider. Mais Wikidata, c'est pareil, en général, ils reprennent les trucs de Wikipédia. Ouais, de Wikipédia. Ouais. Non, il faudrait plutôt trouver un truc d'une notice de musée, genre. Ouais, mais alors du coup, il faudrait aller du côté de. De la Finlande ? C'est la Finlande, Néerlande, je sais plus. Bah, il y a écrit qu'elle est représentée par deux trucs galerie-galerie, là. En bas... Non. Littérature, non. Non, là, il y a écrit Altenus et Sugnasu Gallery. Bah, Art Museum et on va regarder. On va regarder un peu les, si on va comprendre. Non, mais on veut le site, en fait. Ouais, mais là, t'es allé sur Wikipédia, donc... Non, mais... Je clique sur des liens. Tu te doutes que j'essaye d'avoir quand même les liens du site, quoi. Bon, la Signaus, ça doit être la galerie du cygne, d'ailleurs. J'imagine. Ouais, il n'y a même pas de site. Discover Finland. Moi, il n'y a pas de site. Attends, je regarde. Ah si, là, il y a écrit site web à Sigmarius, en dessous, là. Okay. Juste avant itinéraire. Ah oui. Ah, c'est le ministère de ministère du tourisme. C'est un peu comment dire, c'est pas très tentant, hein. Voilà, l'atelier de fenêtre a été érigé dans la cour de la galerie, donc c'est une résidence, hein, j'imagine. Ouais. La réparation intérieure du bâtiment a commencé à la fin de l'été 2018-2008. Transformé en espace d'exposition. Ah oui, mais c'est un appartement qui a été transformé, ouais, c'est normal. D'accord. Et bah regarde le Finnish Museum, là, à côté. Du coup. C'est un des rares bâtiments en bois qui subsiste dans le centre d'Helsinki. Ouais, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller à Helsinki un jour. Ça doit être pas mal. Ouais. Il doit faire froid. Mais... Bah, il fait froid partout, maintenant. Ouais. Alors, donc, on met directement research. Regarde un peu la tête que ça. Ah, quand même, non... Est-ce qu'ils sont ouverts en ce moment d'ailleurs ? Est-ce qu'ils ont, ils ont des workshops ? En mars. Il y a des musées où c'est ouvert ? Il y a des pays où c'est ouvert les musées. Mais... Ouais, ben là ils ont des workshops. Je pense qu'ils ont dû peut-être fermer les entrées. Après c'est normal. Petit effet, hein. Mais ils ont mis de l'argent dedans. Oh, y a rien. Y a rien. Bon bah écoutez, on abandonne alors. On abandonne ?
Si je dis Marco, petit cancanou, est-ce que tu peux me dire Polo? Et on dirait qu'il y a un petit décalage. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, mais elle a parlé de Tours longtemps après, quoi. Bon, compliqué. Complicado. Est-elle réveillée? Fait-elle le dos? Ouais, et ben du coup, non, on Complicado. va la mettre en manque de Après, on peut peut-être ressources. changer. Hein, on regarde en soumis. Hein, peut-être qu'en En soumis. soumis, ouais. Ça a l'air d'être la même chose. Non, Oh, mais. il me demande de traduire en finnois alors que soumis, c'est finnois. Ah oui, il y a un petit décalage en effet. Indeed. Et pourtant, je suis en excellent et tout. J'ai perdu 0,6% de frame. C'est Non peut-être mais du la coup force. peut-être ce qu'on peut mettre, moi je te propose qu'on la mette en manque de ressources et on met quand même genre peintre importante, première peintre Finlandaise, quoi. finlandaise et du coup on... Ok. Parti. Parce que je pense qu'il faut quand même se mettre des petites notes précises après les manques de ressources parce que si on y revient Mais c'est dans ce qu'on fait à genre... chaque fois! Oui, je sais, mais je le reprécise tout le temps parce que après, moi je sais que je vais juste plus comprendre ce qu'on a voulu dire, tu vois. Donc quoi, tu comprends Non, pas le passamère? C'est non. ça l'histoire? Si, ça je le sais parce que c'est un peu la privée de joke et puis au pire on re-regarde le stream, mais. De toute façon, moi je les mets hein, dans YouTube, celles qu'on n'a pas pu. Justement, je fais un petit warning. J'arrive pas à écrire son nom. Rotkr. Ok. Roth, Rotkirch. Kirch. Kri, Comme le kirsch. Du coup, Mathilda Rotkirch, je vais rajouter en tant que phrase, on va mettre du coup. bah tu mets première femme Première femme artiste. artiste, première peintre finlandaise. Je vais mettre des photos. Femme artiste. Finlandaise. Donc quand il manque une démonstration. Bah, il manque tout, Ouais, mais enfin. c'est surtout moi en face, parce qu'on a des œuvres, tu vois. Ouais. On a la carrière. Après, c'est surtout qu'elle elle est. C'est démonstration parce que 28 ans en fait. Tu vois. Parce qu'en vrai, elle aurait vécu un peu plus longtemps. Je pense que si c'est la première, on en aurait eu plus et moins posthume. Mais du coup, ça revient à la question qu'on se pose, que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que le post-mortem, ça devrait pas Bah. rentrer dedans, tu vois? Ça serait bizarre vu que on est censé première monstration dans une vie quand même. Enfin. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Une première monstration, c'est large, quoi. Tu vois ce Bah que je oui, veux dire? mais depuis, oui, mais c'est pour moi il n'y a pas de truc. Si elle a jamais été montrée de son vivant, elle n'a pas de monstration. Enfin, on est en manque de ressources, soit on est. Enfin voilà, Ouais, c'est. c'est faut trouver autre chose, mais là c'est. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une question qui se pose. Bon, bref. Bon, voilà. Ok, et ben je crois que nous avons fait le tour des choses trouvables, il me Bon, regardez semble. ses œuvres. Regardez ses œuvres. Regardez ses œuvres. On est à 2h30, je crois. Non, on a. Non, 1h39. Ça va. On est en avance, on a fait un bon petit rythme là, je crois. Mathilda Rothkirchian, Mala, Sissastana, Aurore Thaza. Je suppose que c'est sa sœur, Aurore Thérèse. Un pêcheur, j'imagine. Ouais, ça, c'est à l'affiche Un vendeur d'œuvres. National Gallery. Ils se moquent de nous. Il y a écrit. C'est pas la même chose. Bah, si, c'est ça où on était Non, tout à l'heure, c'était non? pas la même chose. Ah! On va regarder. On va regarder parce que ça c'est pas la même chose, clairement. Hop, hop, polo, polo. Il est trop jaune l'encadré là, je remarque. Il aurait dû être jaune comme. Bref. Ouais, bah c'est un jeu de collection, très bien. Ça c'est normalement c'est national, donc normalement on devrait trouver. Trop bizarre. Alors, à moins qu'ils utilisent pas les mêmes lettres. Bah non, non. Non, mais c'est bizarre parce qu'il y a. Bon. Oh, je sais pas. Ok.
Là, c'est pareil. Hein. J'aime bien le blanc. Il est blanc, il est cool. Non, il est très il est très laiteux. doux, ouais. Death of Death. Grand-duché de Finlande. Ok. Là, on est un peu perdu. Là, on est. Est-ce qu'on a regardé Dorelia sur. Oui, oui, on a regardé déjà. Ouais. D'accord. Non, bah, à ce moment-là, on prend notre, notre pochette de stop. secours. Alors, du coup, je vais quand même sauvegarder celle qu'on a trouvée pour chronologie 2010, 2017. 17, chronologie c'est 2000, dans 2000, hein, c'est dans 2000, hein, ce 2017. Ok. Chronologie 17. Du coup, je mets Dorelia dedans. Je repousse, quoi. La Techné, je le mets à l'extérieur. Ça, tu le mets dans chronologie normal, tout court. ouais. Hop. Bah, Sophie Aminoff, bah, du coup, ça c'est à chercher aussi pour le 2017. Pour le 17. Ça, je le déplace du 16 au 17. Hop. Pareil. En fait, on devrait les rechercher. Je sais pas pourquoi on les repousse, mais. Parce qu'on avait envie. Voilà. Peut-être. Du coup. Je sais pas pourquoi elle est là. Hop, ici. Tu voulais dire quelque chose? Non, du coup, je regarde dans dans nos nos recherches. jokers. Qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas switché sur. On peut switcher totalement. Hein. Je regarde aussi dans les liens. Irène Reynaud, moi j'ai. Alice Alica. Jeanne Riche-Rousseau, on l'a fait. Alice Alica, on l'a pas fait, je crois. Irène Reynaud non plus. Alors, moi j'ai des artistes dans le tout premier lien. C'était des artistes de Dublin. Il y a deux artistes de Dublin qui ont des pages en français. On peut faire ça. Ok. Comme ça, c'est on quoi les connaît noms? les premières. Alors, c'est Margaret, sans E à la fin. Margaret sans E, comme ça. Non, avec juste un T, ouais, comme ça. Margaret Clark, C-L-A-R-K-E. K-E. Je veux pas te donner les autres. L'autre, elle s'appelle Estella Salomons. Avec un S. Oui. Donc l'étoile de Salomon. Comme ça? Alors moi j'ai trouvé sa page Wikipédia. Bah, je te demande si c'est comme ça. C'est... Mais non, mais pas Salomon, c'est Solomon. Ah pardon, Solomon. Mais faut... mais... Arrête avec ton ASMR de téléphone là. On entend hein, avec le micro. Hein. Oh là là. J'ai mis deux L je crois. Mais c'est... Si, c'est ça. J'avais mis un accent. Bon, ok, c'est parti. Alors, donc, Margaret Clark, elle est née à Crillay le 1er août 1884, ou alors 4 ans plus tard, selon, ça dépend des sources, et elle est morte à Dublin en 1961. C'est une portraitiste irlandaise, et elle est membre de la Royal Hibernian Academy, où elle, et elle est l'épouse du peintre Harry Clark. Harry Clark, pardon. Donc, elle est l'une des six enfants, blablabla. Elle est formée à la Newry Technical School avec sa sœur Marie, avec l'intention de devenir professeure. Margaret Crillay gagne en 1905 une bourse pour étudier au National College of Art and Design à Dublin. Elle a pour professeur William Orpen, qui la considère comme l'une de ses étudiantes les plus prometteuses. Elle termine ses études en 1911, obtenant son certificat de professeur d'art, et elle commence à travailler en tant qu'assistante d'Orpen. En 1914, Margaret épousa son camarade Henry Clark, et donc elle devient Margaret Clark, lui aussi étudiant. On s'en fiche, le groupe s'installe dans un appartement, ok. Très bien, son travail. Alors, elle va exposer pour la première fois à la Royal Hibernian Academy en 1913
et elle va présenter donc 60 œuvres différentes jusqu'en 1953, des portraits pour la plupart. Parmi ses commandes de portraits, elle a travaillé pour le peintre Dermot O'Brien, le président irlandais Eamon de Valera, l'archevêque Mac Cade, ou encore le poète Lennox Robinson. C'est compliqué, c'est au, au cours de sa vie, elle va passer beaucoup de temps sur les îles d'Aran avec l'artiste Sean Keating et son mari, où elle va produire un certain nombre de paysages et d'études de plus petite taille. Un critique d'art en 1939... Un critique a écrit, oulala, en 1939 que Clark produit de remarquables dessins dans lesquels l'individualité est prise dans quelques lignes rapides et légères. Au cours de sa carrière, Marguerite Clark a remporté de nombreux prix, dont les médailles Tail Teams d'or, d'argent et de bronze en 1924, et deux autres de bronze en 1928 et 1932. Elle a été élue membre associée de la Royal Hibernian Academy en 1926, devenant membre à titre complet en 1927. Lors de la création de l'exposition irlandaise d'art de vivre en 1943, Clark a été nommée membre du comité exécutif. Son travail peut être observé dans les collections du National Gallery of Ireland, la Hugh Lane, la Crawford Art Gallery, le Hustler Museum. C'est pas Hustler. Le Ulster Museum, la Limerick City Gallery of Art et la National Self Portrait Collection à l'université de Limerick et le Irish College à Rome. Le Irish College, très bien. Moi je suis pour le franglais. Ouais, alors c'est drôle parce que en fait, j'avais trouvé donc un dessin, en fait c'était une photo. Et re-ASMR du téléphone, bon, je précise. C'était une petite photo où elles étaient plusieurs artistes ensemble, un groupe d'artistes du Dublin Metropolitan School of Art, dans lequel il y avait Margaret Clark et Estella Solomon. D'accord, voilà. Mais du coup la monstration, là, on est occupé à chercher sa monstration, madame. Je crois que j'ai dit en 1900... 14, non. 1905, c'est la bourse. 1911, c'est la fin des études. Et après, c'est ton travail artistique, je crois. Expose pour la première fois en 1913. 1913, ok. On gardera les photos après, t'inquiète pas. Est-ce que ça fait partie des dates qu'on n'avait pas? C'est possible. Mais pose-le sur le... Tu sais, il y a une sorte de petit doudou, tu vois, pour pouvoir éviter d'avoir faire des ASMR. Mais j'ai te posé doucement. Non mais, c'est pas la question. C'est archi pas la question. T'sais, au lieu de prendre 15 ans à poser ton truc, tu vois, tu peux le poser tranquillement, parce que j'ai préparé, justement. J'ai plus d'yeux. Mes yeux commencent à disparaître dans mes lunettes. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. J'ai fait un CTRL-Z inopiné. Oui, excusez-moi, je cherche le nom, mais en fait, il est face à moi. Il est face à moi. Voilà, c'est la fatigue, ça commence à arriver. Margaret Clark. Mais je trouve ça fou. Plus je fais du stream, et plus je remarque qu'en fait, j'ai bien incorporé le schéma de 2 heures de pause, quoi. Je suis très fort, mon corps il le comprend très rapidement. Là ça fait bientôt 2 heures, mon corps est en train de dire petite pause. Et ça se voit beaucoup aussi avec le chip stream, c'est à dire qu'au moment où je commence à fatiguer sur un jeu, on arrive autour des 2 heures. Là j'ai corrigé en plus, c'est magnifique. Ouais, moi ça, c'est magnifique. Ah, j'ai sauvegardé pour faire genre. C'est pas pour faire genre du tout. Hop, Margaret Clark, je reviens, je fais un contrôle C, un contrôle V. Tiens, regarde. C'est bon. ASMR du téléphone. Ah, ASMR de la chaise. Oh, j'ai oublié, excusez-moi. Je vais t'embêter avec ça. On est à la 5e artiste. Je pense qu'on... On va peut-être dépasser notre... Comment on dit,
Notre quota. Notre quota, mais c'est bien, c'est bien. En fait, après, on n'a pas de quota, hein, mais notre enchaînement. Là, c'est notre combo x5 déjà. Moi, ça va, je suis pas fatigué de parler non-stop. Moi, j'ai plus de yeux, mais j'ai plus de yeux parce que je sais que je suis fatigué, j'ai mal dormi, donc voilà, c'est magnifique. Et demain, en plus, réveil. Compliqué la vie. Voilà, voilà. Mais on va finir tranquillement. Dans la belle beauté du live, tranquille, Margaret Clark est ajoutée sur Twitter. Très bien. Alors, on découvre son travail. Et du coup, on découvre un peu son travail. Oh, il n'y a pas de Wikimedia. Alors, on va quand même regarder un petit peu sur la chat. Ouais, mais comme a dit Nibbler, la fatigue, c'est dans la tête quand on parle. Bah ouais, t'as pas du tout dit ça. Mais bon. Alors, je vais essayer de zoomer, hein, excusez-moi, mais parce que Google est dans la longue... Ah, bah, je vous avais pas montré. On est pas là, comme ça c'est fait. Je vais zoomer. Alors là, on est dans un style radicalement différent. En fait, c'est fou. Il n'y a pas Wikimedia, mais par contre, quand tu cliques, hop, ça, c'est direct. Ouais, donc là, on est toujours sur le même truc. C'est marrant parce que ça fait très pub. Après, on n'est pas sur la très même... design. On n'est pas sur la même période non plus. Hein. Là, on est vraiment sur 1900. Je pense qu'il y a une différence énorme entre ce que tu apprenais dans les écoles en 1880 et ce que tu apprenais dans les écoles en 1910, quoi. Elle a l'air bien, cette peinture, mais elle est mauvaise qualité. Mm. La mauvaise qualité, hein. 620 pixels sur 743. Je peux plus voir des hommes avec cette coupe-là depuis que Pablo Picasso, quoi, en fait. Pareil. En fait, je vois... Mais lui, il a une coupe trop à la mode, il est rasé sur les côtés, il a des cheveux longs. Mais lui aussi, hein. Tu imagines les BTS, ils ont la même coupe. C'est juste que, pour moi, dans ma tête, c'est quand tu vois sur une peinture, c'est énormément Pablo Picasso, quoi. 4 4 Oui, c'est vrai, il y avait un 4. Ouais, c'est pas mal. Mm. Après, c'est dommage, encore une fois, c'est trop petit. Bon, attends, là, on cherche principalement à regarder. Bon, pas petite que grande qualité. Ça, j'adore les poses comme ça. C'est tellement bien. Ouais, c'est même après, hein. T'as raison, petit cancanou. En fait, le côté... comment il s'appelle l'allemand qui a fait une rétrospective à Beaubourg, tu vois, le style un peu chair, la couleur chair, tout ça. Bacon ? Ouais, non, pas Bacon. Bacon, c'est la chair ouverte, presque. Non. Oui. Non, ah, Freud. Ouais, ça. C'est, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à ça, les couleurs du bras, là. Là. Tu vois ? En fait, il y a un style de 1900 où tu sens l'artisanat. L'artisanat d'art, en fait. Tu vois, c'est plus... On connaît la photo, on sait ce que ça vaut, on va essayer de céder de la photo, mais il faut quand même bien représenter le truc avec tout ce que la photo peut pas faire, c'est-à-dire les couleurs, les détails... Et le côté fictif. Il y a des dégaines. Il y a des dégaines. Mais ça, c'est ma photo Tinder. Ça aussi. Ça aussi, c'est ma photo. Bon, ça, c'est plus une peinture, par contre. Hein. Ah, c'est une photo. Indeed. Ah. Et voilà. Et après, on a que des photos. J'imagine que c'est les photos Tinder. De Margaret Clark. Qui s'appelle Margaret Clark. Ouais, il doit en avoir pas mal. Du coup, Margaret Clark, je crois que c'est rajouté déjà sur Twitter. Est-ce que ma fatigue... Oui, exactement. Je suis désolée, il va falloir que je bouge parce que j'ai une jambe un petit peu endormie. C'est bon ? Oui. En même temps, faut savoir se mettre à l'aise. Non, j'ai très mal. En fait, ça me... Je sais pas pourquoi j'ai un blocage dans la cuisse. Bref. Oui, t'as une coupure de sang, quoi. Non, je sais pas si c'est une coupure de sang, mais j'ai mal. Bon, de toute façon, on arrive vers la fin. Je pense qu'on va faire une pause, voire même s'arrêter maintenant. Bah non, on va faire rester la Solomon. Et après tu on va veux arrêter. Enchaîner, hein. Ok. Bah oui. Ok, c'est que c'est en anglais. Hein. C'est pas grave. Ok. On l'a mis sur la fraise, là, Margaret ? Bah oui. C'est la première chose que j'ai faite. Ah, pardon. Que j'ai faite. Excuse me. Oui, que j'ai fait.
première chose que j'ai oui, mais bon, pareil. Le français, les genres, on s'en fiche un peu. Alors, tu peux remonter en haut de la page, s'il te plaît ? Il n'y a rien. Voilà. Je voulais voir s'il y avait un portrait. Je suis montée, je suis descendue. Donc, elle s'appelle Estella Francis Solomons. Alors, on va arrêter avec la Salomon. D'accord. C'est pas la Bible. Donc, elle est née à. C'est la Bible américaine. Elle est née à Dublin, en Irlande. Donc, après, bon, ça, on s'en fiche. Son père était opticien. Attends, il faut que je vérifie en plus le retour, hein, puisque ça se trouve. Oui, c'est. Est-ce que c'est assez Son frère, c'est un physicien renommé. Très très bien, voilà. Alors sa carrière, en 1898, à l'âge de 16 ans, elle entre au Dublin Metropolitan School of Art, où elle va gagner un prix signifiant, significant prize. Donc ses camarades de classe, certaines qui vont devenir les artistes les plus influentes. C'est ça. Leading artistes, c'est ça. Irish, voilà, including donc. Irlandaise, tu peux t'en préciser. Voilà, irlandaise, qui vont inclure donc Marie Swansea. Alors je vais ouvrir. Eva Hamilton, je pense qu'on l'a pas. Eva Hamilton et William G. Leach, qui est un ou une garçon. Elle va aussi aller à la Chelsea School of Art de 1903 à 1906. Une visite au Tercentenary Exhibition. Ah oui, à l'exhibition tricentenaire du travail de Rembrandt à Amsterdam en 1903 va beaucoup impacter sa pratique. Et l'influencer à adopter du printmaking, donc de l'impression. C'est ça qu'elle va utiliser comme premier truc comme pour première travailler. Expression. Alors, elle étudie entre deux grands artistes irlandais qui sont Walter Osborne, qui a été une autre influence majeure, et William Orpen, qu'on a déjà vu tout à l'heure, je crois. Avec son ami Cissy Beckett, qui est la tante de Samuel Beckett, et Béatrice Elveri, qui est-elle artiste. Qui est... oui. Elles vont aller étudier à Paris, au studio Colarossi, again. Quand elle va rentrer, elle va exposer à la Lyndhurst Hall avec des peintres et des artistes contemporaines à sa génération, comme Béatrice Elveri, donc on a déjà ouvert, Eva Hamilton et Grace Gifford. Son travail a été aussi inclus dans des expositions avec d'autres artistes, à la Mills Hall et à la Arlington Gallery à Londres. Donc là, on a les deux dates. Attends, on a 1919. On va faire juste une petite pause parce qu'il y a énormément de noms. Faut que je m'en débarrasse. Et du coup, on était sur Estella. Et il y a aussi Marie Duncan qui, je suppose, est aussi une artiste parce qu'elle fait partie de la même histoire d'exposition. Il y a Louise Jacobs aussi. Et Louise Jacobs. Ouais. Mais bon, elles n'ont pas de fiche Wikipédia, donc ça va être compliqué. Ouais, mais vaut mieux les avoir déjà sous la main. Au moins, on sait déjà aussi la date, plus ou moins, parce qu'il y a déjà le... On est d'accord que là, il parle de 1919 et on n'a pas croisé d'autres dates avant. Avant 1919. Il me semble que non. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a l'école. Les tricentenaires et après, il y a l'école. Ouais, ok. Donc 1919, on retient. Donc elle va aussi exposer à la Great Brunston Studio, à son d'ailleurs, at her Great Brunston Studio. Donc elle va exposer au sein de son studio en décembre 1926. Elle va illustrer Padraic Columns, les colonnes de Padraic. Avec son œuvre The Road Round Island en 1926.
et The Glamour of Dublin en 1928. Donc elle va être publiée... Ah non, après la publication originale de La Dévastation de 1916... Ok, c'est trop compliqué. Il parle de publication de son travail... Qu'il a été vendu, que c'est une aide qui a été distribuée auprès d'un hôpital pour les enfants nouveau-nés. Dans la rue Charlemont à Dublin, okay, oui, qui a été fondée par, voilà, par deux grands membres proéminents de, bref. Et du coup de Kathleen Lynn Reisner, et du coup activiste. Ça fait partie d'une rébellion de voilà, activiste irlandaise. Docteur, ouais. Deux activistes irlandaises. Donc elle va être élue comme associée à la RHA, qui est, je sais plus, on l'a vu plein de fois. C'est la Revolution, je suppose que c'est un truc avec le rapport de la Révolution, regardez. C'est pas ça, hein? Non, c'est un truc par rapport aux artistes, je crois. Oh, vite fait. Parce que ça, c'est dommage qu'il le rappelle pas. Non, mais je pense que c'est pas... Faut mettre art, je Attends, pense. Il y a sans doute écrit... nom antique, village de la commune, Pays-Bas. Sigle, Rolode, Revue historique des armées, Rich Edge, un dispositif régulier. Non, mais il n'y a pas, c'est un truc. C'est pas grave. Sinon, c'est ça, hein, technologie qui connecte. Non. Pas nawak. Hein. Donc, bon, bref, après, elle a des activités politiques. Elle va rejoindre la branche renégate du Commandement. Je ne sais pas ce que c'est, environ 1918. Et elle a été active en politique avant et pendant... C'est intéressant. Tu peux le lire, du coup, juste vite fait. Alors, c'est abréviation CNAMB. C'est un groupe paramilitaire de femmes républicaines irlandaises. Waouh. Ok, c'est très bien. Et donc elle va être engagée, oui, donc avant et pendant la guerre irlandaise, la guerre d'indépendance de l'Irlande. Elle va se mettre du côté des républicains pendant la guerre civile, et son studio va être utilisé comme une safe house, tu peux dire en français. Safe house. C'est un QG. Un QG par les volontaires républicains. Elle se marie au poète et éditeur Soma O'Sullivan. Voilà, ses parents sont opposés à sa relation avec lui, parce qu'il n'était pas de confession juive. Donc ils vont se marier en 1929, après que les parents soient décédés. Et donc elle va collaborer avec son mari au Dublin's Magazine de 1923 à 1958. Qui est reconnu pour la... qui publie en fait de la littérature et qui est un magazine consacré à l'art. Voilà. Et donc Solomons va soutenir financièrement le magazine, particulièrement en faisant de la recherche de publicité. Ce qui a été difficile avec le climat économique du New Free States. De l'État libre. Ouais. Et donc, elle va être aidée dans cette tâche par la poète et écrivain Kathleen Goodfellow, une amie de longue date, et... et la personne qui lui a donné le je sais pas quoi to the state. Ok, donc Goodfellow qui utilise le pseudonyme de Michael Scott a rejoint Cumannabamban en même temps que Solomons, et donc les deux portraits de Goodfellow qui ont été faits par Solomons sont à la Model Nealand Gallery à Sligo. Et donc ensuite, le reste de sa vie, donc elle va être professeure à la Bolton Street de Dublin. Elle va peindre des paysages et des portraits, dont Jack Yates, Arthur Griffith,
Griffiths, le poète Austin Clark, ah bah qu'on a vu tout à l'heure, oui. James Stephens et George Russell. Stephens. Je peux dire Stephens. Et donc, ces archives, elles sont gardées à la Neyland Collection de la Model Gallery in County Sligo, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, ces archives qui comprennent des œuvres et des photographies, et les archives du Dublin Magazine sont à la librairie de la Trinité, du Off Trinity College à Dublin. Voili, voilou. Donc, du coup, une carrière bien remplie. Et alors, la dernière traduction anglaise a fini de m'achever. C'était compliqué. Et petit cancanou, te remercie merci pour la féminisation des métiers. Je sais même plus ce que j'ai dit. Oh, bah, tu sais, c'est l'habitude, hein, c'est bien. C'est bien. On s'habitue maintenant à féminiser. Non, mais faut féminiser. C'est bien les métiers féminisés. Bref, on avait dit 1913, je crois, c'est ça? Non. C'était avant, celle d'avant 1913. Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, là, on est à 1900. Mais je crois que c'est pas loin. C'est pas très loin. Ouais. C'est après c'était entre parenthèses. 1919, non? Ouais, 1919, c'est ça. Ok. Et ouais, après, on regarde le travail. Et ensuite, on regarde le travail. Et ensuite, on conclut. Ouais, alors... conclut. C'est pareil, en fait. J'ai vu aussi pour les... Je sais pas si t'as vu, en regardant les vidéos, je sais pas si t'as fait gaffe au temps d'intro et de conclusion qu'on prend. Oui, c'est toujours un petit peu long. C'est 15 minutes à chaque fois. Énorme. Bon. Et je ne remercie pas à nouveau la personne pour qui je fais la modération qui n'a pas raidé notre chaîne alors qu'elle était en live. C'est grave. Si, petit cœur sur toi, Lily Jabi. Petit cœur, tu viendras peut-être la prochaine fois. Bah pour oui, le raid. Parce que là, si elle voit le replay, qu'est-ce que tu te dises? Bah oui, hein. Bah c'est dommage, hein. Bah oui, c'est dommage, effectivement. D'ailleurs, petit cancanou, est-ce que tu veux qu'on te host mardi? Parce oui, que, parce qu'on parce peut que hoster. Là, par exemple, Nibbler fait un double host, là. Il y a du coup moi qui stream avec 13 bis et elle qui host sur sa chaîne. Ce qui veut dire qu'on peut te faire un double host aussi mardi si t'es motivé, mais après je sais que toi t'as envie d'être un peu en comité amical. Comité restreint. En comité amical. Donc tu me dis. Bref. Estella Solomons, c'est fait. 1919. Du coup. On va faire un petit check-up de ses œuvres. Hop. Ouais, en fait, pour hoster une chaîne, il suffit d'aller sur le chat qui est dans ta chaîne. Enfin, il y a un endroit de chat. Et tu fais slash host avec le nom de la chaîne que tu veux host. Et en fait, ça le met sur ton ça te le fait espace. En proposition. Ouais, ouais voilà. Et en fait, il y a écrit pendant que je ne suis pas là, pendant que je ne suis pas en ligne, vous pouvez regarder machin. Et ensuite, il suffit de unhost. Et en fait, tu peux faire ça une fois toutes les demi-heures, apparemment. Tu peux changer les chaînes que tu hostes. Voilà, si t'as envie de faire une programmation de hosting pendant un ouais, donc grosso modo, c'est comme si tu hébergeais des gens que t'as envie d'héberger, quoi. C'est ça. C'est toujours agréable de se partager les choses. Et du coup, là, par exemple, Nibbler le fait pour la chronologie, par exemple. Voilà. Voilà, en attendant qu'elle fasse sa propre émission. Je cherche encore ce que je vais faire. Mais c'est déjà ta propre émission. On partage les choses, c'est bien. Hein, de façon, ouais. Et d'ailleurs, petit cancanou, n'hésite pas. Hein, sache que c'est un partage de... C'est un melting pot. Comment on dit c'est ça, un melting pot? Je ne sais plus. Bref, fatigue. Est-ce que j'ai mis Estella Solomons déjà en... Je crois que oui. Sur Twitter? Je crois que j'ai déjà préparé, mais je suis pas sûr. Je ne sais. Oui, j'ai déjà tout préparé, c'est beau. Il manquait juste le lien, je viens de le prendre. C'est beau, hein, mais j'ai des automatismes maintenant, c'est bien. Hop, tweeté. Sixième artiste, on a fait six artistes hein, quand même, c'est beau. Ouais, bah là on est à donf. Là franchement, on vous a livré un petit truc, un condensé d'énergie. Hop. C'était beau. Hein. Et du coup, on revient vite fait. Je n'ai pas vu s'il y avait Wikimedia, du coup j'ai coupé sans faire exprès, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Et ça a l'air d'être le cas.
Nibbler et Thèse. Oui. Ok, je regarde. Bon, après, hein, tu sais, il y aura peut-être des choses moins sérieuses que Nibbler et Thèse. Hein. Il y aura peut-être Nibbler Nibbler et Alexandra Lederman. Alexandra Lederman, Équitation Passion. Enfin, Nibbler. j'attends avec impatience ce jeu. J'ai envie d'y jouer aussi. Mais bon. Nibbler et le maître de l'Olympe Zeus. Oh! Tu vois, un Ah non, mais truc. là t'as pas fini. Bonjour, vous êtes sur le 150e live du Déjà, maître de moi l'Olympe. j'ai eu peur, hein. Jet Set Radio, j'ai cru que ça allait durer 15 ans. Et là, Picouniku, c'est pareil. Je pense que j'ai regardé les horaires avant grâce à Picancanou qui m'a retrouvé le lien. Nibbler et Nina. Oui, ça pourrait être ça aussi. Nibbler et Nina. Nibbler qui joue à Dibou. Alors, Ça, Nina, c'est c'est le pas... chat. Nibbler à Dibou, c'est bien ça. Adibou, ouais, moi j'aimerais bien faire aussi du. Dibou, Moi je c'est voulais faire cool. du Universalis avec la Lune. Alors attendez, je vais regarder si on peut voir. Parce que j'adore la Lune dans Universalis. Lune, gravité. C'était un petit truc qui était sur l'encyclopédia Universalis 97, je dirais. Du coup, je sais, là je suis en train de chercher, mais je suis pas sûr de trouver. Et juste, excusez-moi, mais par contre, Ah, ce c'était soir, il y ça. avait aussi l'atterrissage sur Mars de là, du truc là, Voilà. en live in direct. On va regarder du côté de la NASA. Allez, on va voir vite On fait. n'a même pas vu, peut-être il s'est crashé de manière très Il sale. a réussi son atterrissage. Oh, mais c'était en live, c'était comme l'atterrissage sur la Lune, on a raté, on Oui, n'a mais même pas regarde, demandé. on peut regarder sur le CNES. Le Enfin, CNES. désolé de sauter Du du coq tout à au tout, l'âne, mais j'ai comme vu dans ça, une. j'ai vu ça. Voilà, des gens qui applaudissent. Ouais. Ouais! Trop bien! Le monde va mal! Merci, c'est génial. Je suis très content. Hein, il y a Oh Macron. non, Oh! Mais enlève, pourquoi? Mais pourquoi? enlève ça tout de suite. Mais le Covid! Régler le Covid, les On pandémies, a envoyé un truc sur Mars. la déforestation, le racisme. Essayez de régler vos problèmes déjà sur Terre, s'il vous plaît. Merci. Donc pardon, alors Estella Salomon, qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-nous, on a Ah, la dérivé, hein, mais. fatigue. Amarissage. Bah ouais. Ouais, bah oui, Amarissage. parce que c'est ça. Bah oui, parce que c'est pas atterrissage, parce que atterrissage c'est sur la Terre. Ah. Amarissage, c'est normalement un bateau en mer, hein, mais. Amarsis. Amarsillage. Ouais, amarsillage, si. Ah, tu l'as bien lu. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais pas mal lu. Ouais, c'est bien. Amarsillage. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis désolé. Moi, je trouve qu'il y a d'autres problèmes là actuellement que de s'occuper de Mars. Mais bon, c'est mon avis. Bref. Mutual Art. Mais Ça, toi c'est. aussi, t'as pas de cœur, donc Non, mais c'est pas une histoire voilà, de c'est cœur. C'est une histoire de important, donner de Mars. l'espoir pour rien. Oui, ça c'est vrai. Pour l'instant, en tout cas, pour rien. Si on peut habiter là-bas, waouh, ça va changer beaucoup de choses. Il n'y aura que les riches qui iront. Bah non, mais c'est surtout que Génial! habiter sur Mars pour accessoirement rester enfermé dans un espèce de cocon, puisque tu ne pourras pas respirer et sortir avec de l'air assisté, comme dans le jeu auquel j'ai joué, où il faut aller Oui, mais sur la faut planète. citer tes sources là. Comme Planet Base. Citer... Voilà, merci. Exactement comme dans Planet Base, quel intérêt? Après un confinement, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Tu vas même pas pouvoir aller faire tes courses, il n'y aura Non, rien. mais Genre, on s'en fiche. Non, mais là, c'est même. En fait, c'est inintéressant là actuellement. Oui, c'est Mondialement, clairement, ouais. actuellement, c'est inintéressant. Bref, on Oh, mais si peut. les riches partent sur Mars. Mais tu vas relancer combien de fois? C'est incroyable! J'en ai marre! C'est nul! C'est nul comme Non, mais sujet! peut-être que du coup, il y aura moins de problèmes sur Terre. Parce que Tu les veux que je riches te seront remontre partis. Macron en train d'applaudir et d'être content là? Non, mais. Voilà. Non, mais c'est juste ça. Moi, je suis désolé. Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Je m'en fiche qu'ils se barrent sur Mars. Tu crois qu'ils vont partir en laissant le capitalisme tout seul? Non? Ouais, ils vont l'automatiser, c'est vrai. Ben non, mais il y a des gens qui sont là pour pouvoir le faire travailler. Ce sera ce qu'on appelle soi-disant les classes moyennes. Bon, bref. Marre. Oui, bah, regardez Total Recall, hein. La vie, géniale. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à part Mutual Art qui propose des Non, trucs. ouais, il n'y a pas beaucoup. Et Bah, on voit, il y indépendante. a des portraits, quoi, mais. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah, madame. Voilà, maintenant vous êtes sur Mars, vous prenez la parole tout le temps. Bon.
quoi. Mais tu vois là, t'es parti, t'es fatigué. On parle de Mars, t'es en train de bloquer sur d'autres trucs. Ça fait 6 fois que je la jarte, c'est bon. Ok. Casse-toi. Du coup. Donc portrait, portrait, ouais. Voilà, moi je suis occupé à essayer de montrer ces trucs-là, et on parle de Mars, et après on parle d'autres choses, et après voilà. Je passe du coq à l'âne, comme tu disais. Je crois qu'on peut rien trouver d'autre. Pourquoi c'est nanoride? Qu'est-ce que c'est Bah que ce oui, rien à truc? voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'était la seconde. Ok. Ah oui, ça n'a rien à voir en fait le ce qu'elle fait, d'accord. Sitting in the sand dunes. Ça me fait penser un peu à Portrait de la jeune fille en feu. Ah, pas faux, pas faux, pas faux. Il y a un portrait comme ça sur la plage, je crois. Alors, est-ce qu'on peut voir les portraits? Est-ce qu'on peut? De la jeune fille J'aimerais bien revoir ce film, il était vraiment en bien. Hein. feu. Est-ce qu'on peut voir les peintures spécifiquement? Là, oh, mais non, c'est un extrait du film. Celle-ci, cette image-là. Ah bah oui. Ça, c'est du beau cinéma, ça. Ça, c'était du beau cinéma. Bonne idée, bien placée. Bon, un peu in your face, mais vachement bien. En fait, il n'y a pas de portrait sur la mer, mais c'est dans le film où il y a des scènes sur la mer, et donc du coup, voilà, ça m'a fait penser. Mais il faut absolument, je pense. C'est un très très bon film. Oh, elle a les cheveux courts comme ça dans la vraie vie, l'actrice qui faisait la Bah, peintre? juste peut-être pour le truc uniquement, non? Waouh. Moi, ça, c'est quand je vois des filles qui Parce ont que les moi, cheveux j'ai courts et juste. qui sont belles comme ça, je me dis. Voilà, moi je pourrais pas me faire cette coupe, mais je suis très envieuse. Encore ASMR, hein. Mais moi je l'ai plus vu avec les cheveux longs. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai déjà vu cette actrice, c'est très très bien aussi. Bien entendu, tout le cast était génial. Non, mais cette image-là est vachement bien. C'est franchement du cinéma français. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une super image comme ça. Et l'ensemble des images d'ailleurs de la plage sont vachement bien aussi. Alors, ce qui m'a énervé, c'est le gros rapport. Oui, la lumière, c'est exactement travaillé comme Kubrick, etc. Comme s'il n'y avait que Kubrick qui s'était amusé avec la lumière naturelle. Mais bon, ok. Bah tu vois, là par exemple, ça m'intéresse un peu moins. Et c'est un peu trop brut, je trouve. Ouais, moi j'aime bien. S'il y a du mouvement, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, malgré tout, ouais, c'est un peu compliqué. Guédé, il y avait marqué, je sais pas si vous avez vu, Guédé in Donegal. Gay day. Ouais, c'est une belle journée, quoi. Oui, ça me faisait rire Le rapport, oui, le le parallèle. parallèle. Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de l'artiste, la sœur de l'artiste, Sophie Reclining in the Studio. Moi, je trouve qu'elle a un style, même si c'est moins précis que les autres, c'est plus, ça a l'air plus vivant. Il y a plus de. Il y a autre chose. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est plus vivant. Oh Oh, il faut non! payer! Oh non! Bah, on voit fou, voilà. Il faut faire à l'idée. On a quand même Moi, je suis très fort à ça. Moi, le. je suis un vrai bourre, hein. Laissez-moi tranquille. Oh, le forceur de ouf! Je suis un vrai bourre. Ah non, mais moi, les sites comme ça, moi, j'en veux plus. Regarde, on a tout, c'est génial. Pourquoi nous limiter à ça, quoi? Il suffisait juste de cliquer plein de fois? Bah ouais. Non, mais en fait, tous les sites, c'est un peu ça. Hein. Faut toujours un peu. Les sites, ils sont pas faits pour pouvoir prendre les coups sévères comme ça. Oh, t'as tout débloqué vite! Ouais. Ah là 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 là. Je vous montre par A plus B que tout est faisable. Parce qu'en fait, c'est des images qui sont sur une base de données. Donc en soi, l'image est déjà là. Il n'y a pas de question en fait de. Tu vois, il suffit juste que j'enlève le JavaScript par exemple pour pouvoir éviter d'avoir ce pop-up en fait. Là, c'est Google Chrome, donc il va me le faire constamment parce qu'il veut mon captcha, mais. Mais voilà, on continue, hein. On continue jusqu'au bout, hein. Non, il faut montrer aux gens que rien n'est impossible, comme dirait Elon Musk, C'est quoi ce le capitaliste à proverbe l'extrême. à cœur vaillant, à cœur. Ah, j'ai cru que t'allais dire no pain, no gain, mais. Non, à cœur vaillant, rien n'est impossible, c'est ça la C'est phrase, un non? peu ça, mais là, c'est pas une histoire de vaillance, hein, je crois. Ni de gain, ni de no pain.
ni de Musk. Non mais moi j'aime beaucoup. Il y a des beaux trucs, hein. Ouais, Il y a j'aime des bien, beaux j'aime trucs. Il bien. y a plusieurs pages, on va essayer de cliquer sur les autres pages. Estella Solobones. Putain, mais on peut vraiment cliquer sur les autres pages, c'est incroyable. On a accès à tout. Merci Mutual Art, hein, d'avoir fait ce magnifique site. Je crois qu'on va regarder le portrait, peut-être que ce sera un portrait, ça serait bien. J'espère que ça te fait bien rire, hein, petit cancanou, hein. Nous on s'amuse bien. Ah, hein. Oh, ce portrait-là, il a l'air bien. Mais non, mais c'est pas ce vieux mec que je veux. C'était le... Ah, c'était son père. Je voulais Mopi. 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 Bon, on va pas regarder Mopi, du coup. On va essayer de regarder la qualité de sa sœur. Hein, parce que il Ah oui, avait y a l'air rien bien, à il avait voir l'air bien, avec. le portrait. Eh bien, voilà. Je pense Bon, qu'on bah peut très faire un bien. petit topo et un petit arrêt ici. Peut-être qu'on va dire au revoir et bonjour à nos chers robots Ah oui, les et nos petits modos. robots. Merci Ah, y a que F2P. Streamlabs et F2Pyre. D'ailleurs, Nightbot, t'es parti? Nightbot, voyons. Partage notre chaîne YouTube Oh. et notre chaîne Twitter, qui n'est pas une chaîne. Et YouTube, c'est pour les replays. Il y a aussi des replays de jeux. Désolé, mon portable Ouais, n'avait c'est pas plus de batterie et grave. c'est éteint. T'inquiète, on envoie trop du lourd. C'est pas grave, t'étais là. Et tu vas pouvoir voir du coup le générique où tu seras là d'ailleurs. Si tu restes jusqu'à la fin. La peinture de fin, bah ouais. Alors t'as loupé tout le forçage du site. Mais si tu veux, je te le remontre parce que ça c'est génial. Comment avoir la limitation d'un site et comment passer outre à part en cliquant comme si on voyait tout bien. Ce C'est bien, tu vois. Hop. Ah, n'est pas du peut-être tout pas. flou. Non, Celle-ci, je sens que ce sera pas de Twitch safe. Voilà. Voilà, j'ai continué. Tout simplement à faire ce genre de truc-là. Il y a des super trucs. Hein. Franchement, c'est dommage que Mutual Art nous limite un peu. Et du coup, on va faire. On va faire. Pourquoi le jeu? Ah oui, je le dis Jacob. En tout cas, moi, j'ai été assez contente des artistes qu'on a découvertes ce soir. Du coup, entre la Suède, Finlande, Irlande, on était pas mal comme. Ouais, c'est un beau tour d'Europe. Là, sur le coup, on a fait un peu trop. Mais en fait, ça me dérange encore, on est un peu trop dans l'Europe. Mais le. Je pense qu'on va. À un moment, il va falloir qu'on fasse un switch. Total et faire comme tu disais une sorte de pause dans nos recherches. Là, c'était pas mal parce qu'on a réussi à faire une pause en plein milieu et de pouvoir enchaîner directement avec une de tes trouvailles. D'ailleurs, que tu peux enlever peut-être du Oui, coup. mais en vrai, il y avait juste, on montrera peut-être la semaine prochaine le portrait des artistes Ouais. tout Ouais. ensemble. Mais du coup, Mais on en a plusieurs. On s'envoie en fait assez souvent des liens avec Nibbler justement qui nous permettent d'avoir du contenu au cas où. Voilà, donc comme vous pouvez voir en live et en direct face à cette belle représentation de notre chaîne YouTube qui est donc du coup du ouverture facile actuellement. Ouverture facile qui a l'air de faire quand même une entrée fracassante avec 11 vues, je sais pas qui a regardé hein, parce que c'est un alors, peu un peu lourd. moi, je crois. Et Mais moi, j'étais surtout sur le. chronologie des femmes artistes. Alors chronologie des femmes artistes, je crois que tu étais sur le 2 parce Tout que il y a 20 vues. à fait. Donc voilà, actuellement, Nibbler s'amuse à faire les retranscriptions de ce qu'on dit, donc les corrections de sous-titres. Je Normalement, m'amuse beaucoup. on est censé le faire à deux, mais là, cette semaine, c'était. Moi, c'est un peu ma pause, donc je profite un peu. Et du coup, moi, je vais aussi aider. Peut-être que je pense que je serai plus du côté de Shipstream. Et bien entendu, il y aura dimanche, je croise les doigts, Picounicou. C'est possible que je sois en décalé, perdu dans la France, quelque part. Mais c'est possible aussi que je sois là à l'heure. Donc, normalement, c'est 14h, jusqu'à Picounicou, 17h, normalement, parce qu'on a un JDR, Mais oui. si tout est bon.
Et voilà, donc Chipstream, il y a Ouverture Facile qui sort aussi. Alors là, c'est le 4. Donc le 4, je crois, il est en plusieurs morceaux. Donc il commence à 10h. Il y a un morceau de 10h à midi. Un autre de midi à 14h. Je crois. Il y a Ouverture Facile. Donc il y a bien entendu le Chronologie des femmes artistes qui sort jeudi prochain à 19h. Parce que c'est toujours 2 heures avant ou 1 heure avant ce que nous on fait en live. On n'a pas du tout piqué ça au Vortex, hein, c'est juste un principe d'être un peu cohérent. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas horrifié par la webcam. Bah oui, non, on est tout mignon. Voilà, petit cœur, petit cœur, petit cœur, gros cœur, méga gros cœur. Voilà. On se dit, je pense, la semaine prochaine, très simplement, et ce week-end pour le Chipstream, la semaine prochaine pour Chronologie. Voilà, des bisous, merci Petit Cancanou. On essaye de se capter aussi mardi pour Petit Cancanou, Petit Cancan qui est en Mais train de faire oui. Last of Us actuellement, et aussi une fois sur deux, donc là on est en semaine A, donc c'est Last of Us. En semaine B, C'est le groupe c'est Retour de Bradine. Donc la Maïf et les mutualistes sont là pour pouvoir aider notre chère enquêtrice Fletcher. Voilà. Last of Us, là on est entre Abby, on est au moment de Abby. Je crois qu'on est au milieu de l'histoire de Abby, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas, petit cancan. Aussi dans le chat, petit cancan. Again pour suivre les pérégrinations de notre modo, bien entendu. Au revoir, des bisous. Des bisous! Alors, faut que je le fasse en regardant pas. Alors, attention, il y a le générique après, hein, c'est pas fini. Parce que j'ai le générique spécial robot, spécial petit cancanou. Des bisous, des bisous, des bisous. Merci à la première équipe de réalisation, Nightbot, Petit Cancanou et Streamlabs.